Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end! C'est le week-end! Bonsoir. Bien le bonsoir. Alors, le cash map n'a pas l'air super bien mis, j'ai pas bien mis, je crois. Voilà. C'est bon comme ça. Alors, on va mettre comme ça, c'est pas mal. Donc, bien le bonsoir, j'espère que vous allez tous bien en ce vendredi. On continue l'aventure avec Diego Loloza, secondo du cartel. Là, on va continuer l'aventure. Donc, hier, on fait un petit débrief comme d'habitude, hein, voilà, de 10 minutes, hein, 10 minutes, un quart d'heure, pour bien commencer. Hier, on peut pas dire qu'il s'est passé beaucoup de choses, clairement. Hein, c'est la découverte de Los Santos. Ça y est, normalement, on va avoir les clés de la villa. Ensuite, ce soir, il va y avoir un rendez-vous avec les Vagos, ce qui devait avoir hier, qui a pas eu lieu au final, donc ça va être ce soir. Après, mis à part ça, voilà. Ce matin, nous avons farmé un petit peu, hein, parce qu'il faut de l'argent pour survivre, ce qui est tout à fait logique, hein. On démarre de zéro. Donc on va voir ce qui va se passer ce soir. J'espère qu'on va s'amuser, qu'il va y avoir des scènes intéressantes, qu'il va y avoir de l'interaction, des moments drôles. Ça pourrait être vraiment sympathique.
clairement. Ça serait vraiment cool. Donc on va bien voir. Donc du coup, hier, c'est passé juste ça. Hein? Ouais, non. Ah oui, hier, il y avait Yaya qui a collé 50 nuances degrés. Hein, voilà. Donc vous allez voir. Hein, pour ceux qui ont l'habitude de nous voir, moi et Yaya jouons ensemble. Là, on interprète une sœur et puis un frère. On va toujours se taquiner autant, on va toujours s'emmerder de manière. Si on s'emmerde pas, c'est qu'il y a un problème, quoi. Clairement. Donc on va continuer à s'amuser, en espérant que bah, les projets au sein du cartel continuent au beau fixe. Donc voilà, comme je le redis, la première semaine, ça va être un peu compliqué. Hein. C'est le temps que toutes les choses se mettent en place, pardon. Donc voilà, donc pour la petite histoire, je vous répète, hein, on est ici à la Fuentablanca, en attendant que la villa sur Cayo Perico se construise, pour qu'on puisse après aller sur Cayo Perico. Parce qu'on rappelle que nous sommes le cartel, le CCP, le cartel qui vient de Colombie. Nous ne sommes pas les Madrazo ou quoi, hein, pour ceux qui ne sauraient pas le pourquoi du comment. Donc voilà. Donc on va se mettre dedans direct et je vois que je parie que j'ai pas de bouffe. Non, j'ai. Ah si, j'ai de la pizza. Ouais, donc hier, je galérais à savoir comment il fallait faire, mais en fait, il faut juste faire ça, en fait. Clairement, faut faire ça et puis faut manger, quoi. Oui, c'est pas plus compliqué. Donc voilà, c'est tout, quoi. Ça commence. Voilà, tout fait comme chez toi, c'est tout, hein. Excuse-moi. Ça, c'est. Imagine-toi, j'étais en train d'admirer la vue de l'aurore. Je sais comment. Ok, c'est bon. Bon, c'est pour dire Moi, oui, que. moi, des fois, je rentre dans ta chambre pour savoir Arrête de si tu dors crier, bien. bordel! Arrête de crier, je te jure. J'ai des oreilles sensibles, c'est bon? Moi, je rentre des fois dans ta Bon. chambre pour savoir si tu dors bien. Donc, bon, s'il te plaît, laisse-moi parler. C'est. J'ai vu le monsieur qui a fini les travaux du garage. Veux-tu aller voir? C'est. J'ai envoyé un message à Féfé déjà. D'accord. Oui, je trouve des petits surnoms comme ça, je C'est. préfère. Bah, tu as été content de petit repas, j'espère. Même pas, tu vas dire merci. La prochaine fois, je ferai rien. De quoi? Ouais, je te laisse à manger. Vu que tu m'as cassé la tête ce matin, je te laisse à manger. À pas ton avis. Ce que tu m'as donné tout à l'heure? Non? Ah non, attends. Ah oui, non, je vais pas manger. Eh ben, ça va bien que je Bon, me donne la peine de faire tout ça. tu veux venir voir le garage ou pas? Oui, je te suis, allez, c'est où? Attends, c'est là-bas, je crois. Je me suis permise de sortir une voiture, tu vois, quand même. C'est Je l'avance. ici la Attends. porte, sinon la porte est ici, Ah hein. oui! Ah, oh, c'est tellement grand. Regarde, tu vois, c'est une porte d'entrée, ça. Tu vois, regarde, il y a deux portes, c'est une porte d'entrée. Là, tu as une cuisine, si tu veux, tu vois? Arrête! Pourquoi tu veux me mettre en colère là? Je te mets pas Attends, en colère, écoute-moi, vas-y, ça va tout seul. viens. Attends, viens, il faut que je te parle là. Viens. C'est tellement marrant. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais ici? Te parler. Écoute-moi bien. Tu vois, c'est faire. Il n'y a personne. Écoute-moi bien. T'as bien ouvert tes oreilles? Attention à ce que tu vas dire. Encore une remarque sur le ménage, la cuisine. Je balance à tous tes petits copains ce que tu as fait ce matin, que tu m'as fait à manger tout, ok? Alors, du coup, ça s'appelle du chantage, ce que je te dis ce matin. Le T'as chantage, bien tu peux. compris? Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est moi qui manipule des fois les gens. Toi, tu essaies de me manipuler, là, j'ai pas ça. Ah non, non, moi j'étais très gentille. Tu me cherches, je te dis juste ces choses. Voilà, maintenant c'est dit. Tu fais comme tu le sens et puis moi je N'oublie ferai pas comme que je si vois. tu veux un chauffeur, là. Ah, bah, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Je disais, bah, dis donc. Incroyable! Allez, je te tiens la porte, comme ça au moins tu me. Hein, voilà. C'est bien. Attention à ce que tu vas dire. Bon, allez, où je fiche au garage. Alors déjà, il y a une voiture là. C'est. Et on va faire tout
le tour. Du coup, si on fallait faire tout le tour, en fait, on a plus sorti de l'autre côté. Non, parce que tu ne marches pas sur l'herbe, ok? Tu vois pas que ça vient d'être fait, donc un peu de respect. Ils l'ont fait ce matin, oh. Ils l'ont très bien fait. Lolo. Voilà. Oh là là. C'est qui a fait ça, là? J'ai une trace, mon Dieu. Ça peut être que toi. Non. C'est que toi qui a pas le permis. Regarde-moi ça, il y a un poté des cochons là-bas. C'est pas mal ça. T'as laissé. Ah oui, c'est trop mignon. Voilà. Intéressant. Non, il y a des cochons, pas des cochons. Il faut pas que tu cherches ici. Écoute, le mot vient, je veux pas descendre du tout. D'accord, toi tu peux sortir le véhicule et moi je peux pas sortir le véhicule. Eh bien, peut-être que si tu avancerais bien là où. Ah, c'est. Voilà. C'est. Quoi, tu veux que je sois en véhicule? Pourquoi faire? Ah oui! Ah bah dis donc. Ça, c'est. Tu l'as vu? Après, pour les ranger, on les range pas? C'est à côté là, moi. Ah oui, d'accord. C'est complet? Ouais, d'accord. Allez, okay. À toi, essaye. Je veux rigoler. Arrête. Allez. Non. C'est. Non. De toute manière, va faire l'enfant comme ça. Je fais pas l'enfant, j'aime pas qu'on saute de ma gueule, c'est tout. Je me le fous pas de ta gueule. T'as oublié que c'est qui portait les couilles, je crois. Pardon? C'est pas toi, hein. Ça je peux te l'assurer, c'est pas possible. Petite question que je me posais comme ça tout à l'heure, tes chaussures elles ont des temps au lavage ou ça se passe comment? Quoi? Pourquoi? Parce que je ne suis pas vraiment un expert en style vestimentaire, mais je pense que tu dois mettre chaussures blanches ou tout noir, ça aurait été plus idéal. Pourquoi? Parce qu'il y a le bouclier bleu, ça te dérange? J'ai pas dit que ça me le dérangeait, j'ai pas fait gaffe que le bout était bleu, j'ai vu que le noir et le rose. Ouais, bah écoute. Tu peux pas comprendre, laisse tomber. Je me le doute. Pourtant, on est fusionnel, mais des fois, je me demande quelle fusion il y a là. Quoi. Bon, ils sont où tous là encore? J'en sais rien, je suis pas leur mère, moi. Je sais pas, tout à l'heure, ils m'ont dit que t'étais à la cuisine. Donc, du coup, je me pose la question. Ah bon? Je rigole. On va leur demander. C'est des bonnes. Non, ne demande rien du tout. Là-bas, c'est fermé. Faudrait que tu passes chez le coiffeur, hein. C'est. J'ai pas trop de temps. J'espère avoir le temps ce soir. Moi, il est censé y avoir Gustavo ou une clé. J'ai pas oublié ça, là. Allez, là. Ah, mais à part ça, tu as décidé de faire quoi aujourd'hui? Je sais pas, moi. T'étais là, mais tes petites mains, c'est bon, tu n'as plus rien, ça va. Baisse d'un ton! J'ai les oreilles fragiles, je t'ai dit. Je sais, mais j'ai pas vraiment rien. C'est mieux là. Ne t'inquiète pas, je te le dirai à chaque fois parce que c'est dur, tu vois. Je sais, je sais. J'ai oublié que t'étais une petite fragile. Dédicace, rien, je t'adore! Je t'adore. Voilà. Voilà, de cool. Comment ça va mieux ce que c'est le matin ou pas? Ouais, pourquoi? Et comme ça, je demande, c'est tout. Donc, je sais pas l'élément, c'est ce qui va se passer ce soir, je peux te le mentir. J'attends de comment voir ça? Les. Bah, normalement, on doit avoir un rendez-vous pour des affaires, après, je sais pas ce qui va se passer. Attends,
Salut, pour ton info, il se peut qu'on a un moment où tu dois Ok, vendre des co. très intéressant quoi. Cool. Ok. Ça marche! Ça marche, ça marche. Ça marche, ok, d'accord. La pyramide, elle est où? Je comprendrais jamais comment ça se fait avec une grosse machine comme ça. Tu peux pas juste appuyer sur le bouton pour avoir deux tasses. T'as toujours fait montrer qu'il fallait appuyer sur deux tasses. Moi non plus, je comprends pas comment ça se fait qu'il y a des petits monsieur qui ont une grande gueule, tu vois, c'est la même chose. Non, 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 mais je parlais pas de toi, Vizir. J'espère bien. J'ai l'impression que plus tu vieillis, plus tu... Attention à ce que tu vas dire. Plus que Tu rapetissis, je trouve, non? de l'OPTC, c'est juste que tu as des talons. Enlève tes talons, on va Je rigoler. peux pas, non, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, parce que j'ai mis un temps fou à les mettre, déjà, tu vois, parce que j'ai un peu les pieds Mais qui j'ai le tremblent grade, depuis un peu moi, tout ce Thomas. matin. C'est bon, je peux sortir avec lui et tout, hein. Bah, écoute, c'est toi qui as voulu travailler en salopette, hein, c'est pas lui. Hein. Tu l'as mis les mêmes chaussures que moi, le même pantalon, le même blouson. Tu n'as pas eu de problème, regarde. Moi, aucun problème. Pas de l'ampoule, pas de mal de pied, pas de mal de dos, rien du tout. Attends, rappelle-moi, je suis quoi? Une femme! On va te crier comme ça. Ah! Attends, t'as... Faudra Arrête que de tu pas. croire que je suis pas ton frère, hein? C'est non. Merde. Faudra que tu passes le. Au magasin, tu as un problème de t-shirt aussi. Pourquoi? Ton C'est quoi? sous-t-shirt, tu fais attention, ton sous-t-shirt, il faudra que tu prennes une autre étiquette. J'en ai pas. Non, c'était pas très sûr que c'est. Merde. Du coup, voilà, ça se voit pas tellement que ça, mais bon. Mais cool, tu vas m'amener alors. Réveille. Vamos. Attends, je finis mon café là, tranquille. Oh là là. Pourquoi vous êtes toujours tous pressés là Ah, comme je ne ça, suis pas c'est dingue. blessé. Ah. T'es obligé de le faire ça. Parce que moi aussi, je peux faire sans ton café. On peut pas rester sérieux, c'est pas possible. Pas très classe, hein, ce que tu viens de faire. C'est bon, ouais. On va pas prendre le Duster, on va prendre le nœud de véhicule. Ouais. Quoi? Parce que le Duster, c'est pas fait pour ça. D'accord, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais je le range, putain. Je vais voir ça. Ça m'évite de marcher. Voilà. Ils sont pas mal les véhicules, moi j'aime bien. D'accord. Là, je me suis mis dans un petit Voilà. bourbier quand même, là, Ah, tout hein? fait, ma charlotte, tout black. Dans le sens. Tout le fait, c'est pas pour le slip. Mais Est-ce que tu crois que là, je vais la rayer là? écoute-moi bien. Attends, ça passe, ouais. Ouais. Allez, motive-moi un peu. Vas-y, continue, vas-y, vamos, vamos! Non! Tu recris, je te jure, je t'insulte, je suis désolée. Tu m'as niqué les tympans, moi je peux aller voir le docteur, c'est bon C'est là. toi qui m'a chauffé là, Si tu peux avoir d'aussi grosses couilles que t'as de la gueule, ça serait bien quoi. Oh d'accord, je le tiens. Ah je retiens. Elle a coupé sa phrase. Bon allez, shafter. T'as vu, il y a le monsieur qui est passé, le garage et travaux sont Si, finis? si, mais faut faire attention, Louis, il sait pas conduire, là. Hein. T'as pas la clé comme cela. Eh,
Allez, il y a la menthe dans le véhicule. Ok, ouais. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est beau, rouge comme ça. Est-ce que je parle fort ou pas? Ça passe. D'accord, en fait, je me suis mis en chuchoté dans le véhicule. Quoi? Je regarde un truc sur le tableau de bord. Ok. Je pense savoir, chaîne vocale peut-être. Volume du microphone. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Ah, si je nique un véhicule déjà d'entrée. Mais vas-y, ils avancent les véhicules! Oh! Bah, c'est trop bien conduire ça! Ah, j'ai peur. T'as une preuve là-bas. Ah là, ouais. T'as raison. T'as eu raison parce que je me suis trompé de touche. Bah merde! Ah, je peux pas le. Je sais pas qu'on avait pas les clés. Ah, je vais attendre là parce que je tiens pas que le véhicule dépop. Ah, mon café! Vous avez vu, hein? Le RP de moi, Yaya, c'est ça, on va se taquiner tout le temps et tout. C'est. Yaya fait la sœur. Collante, capricieuse. Bah quand on va lancer un live, vous verrez, vous pourrez lui poser toutes les questions, on vous expliquera l'intégrité de son perso, son personnage. Ça va être marrant. Ouais, j'ai les clés simplement des garages, après le reste je sais pas. Un café semi-chaud, c'est pas ouf hein. À chaque fois. À chaque fois c'est un truc de barge. Hein. C'est un truc de barge. J'ai pas compris pourquoi il disait ça, Babar. Normalement, on a les tous les clés du coup, non? C'est vrai que faut que je passe, que mon perso passe au coiffeur parce que la coupe de cheveux. C'est dommage parce que ça faisait genre un peu intellectuel et tout, du coup, bah, ça cachait un peu le mec du cartel, quoi. C'est un peu con. Pouf. Ah non, mais non, du coup, je vais pas me faire ça, je vais pas me faire ça, c'est vrai.
Vous avez vu, du coup, il y a le cash map, les gars. Hein, je trouve pas mal, non? En tout cas, vu de teinté, elle trace les bagnoles. Hein. Pouf! Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Ah merde, j'ai pas mis ma perte. C'est comment déjà? C'est F5, je crois. Vêtements. Non, bah non, du coup, c'est pas ça alors. Ça va être F9. F9. Lunettes. Voilà. Voilà. Il faudra que je programme aussi mes touches et mes émotes, mes touches raccourcies. Il faudra que je le fasse. Putain, j'ai pas encore fait ça, j'aurais dû le faire ça. C'est Allo Diego. Ça c'est. Si. Dis-moi. T'as les clés de la casa, toi? Les clés de la casa, je ne sais pas vraiment, mais j'ai les clés du garage, c'est sûr. La casa, j'ai pas réussi, je sais pas où tu peux vérifier. T'es en train de me dire que t'as réussi à prendre un véhicule, c'est ça? C'est ça, si je vois, oui, j'ai pris un véhicule et Yaya aussi a sorti un véhicule aussi. D'accord, alors, question, vous avez pris quoi? C'est le shaft là qu'on a pris là. D'accord. Donc vous, c'est bon, non? C'est bon, par contre, il y avait un dubstep qui était sorti, je sais pas que c'est qu'il a sorti. Vous l'avez pris ou vous l'avez rangé? Non, il est toujours devant. Ah, c'est il est rangé. Ah, vous l'avez rangé, d'accord. Et du coup, il faudrait qu'on se voit. Parce qu'il faut que je te parle de ce qu'on a préparé avec le avec les refaits. Ça marche, je voulais. Tu pèteras la casa en combien de minutes? Je te le dis ça juste après, d'accord? D'accord. Merci. T'as un problème de t-shirt. Quoi? Oui, c'est ton saut t-shirt, faut que tu prennes l'étiquette 15, le saut t-shirt. 15 ou 14. Du coup, j'essaie de travailler encore l'accent, les gars, hein, je vais vous mentir. J'ai vraiment essayé de le travailler de plus en plus. Faudrait que je me mette à regarder des petites vidéos ou des petits trucs où vraiment ils disent des phrases avec l'accent. C'est parfait. C'est qui t'a appelé? C'est quelqu'un pour quoi? C'est Lenike, il me demandait quand j'allais arriver à la casa. Quoi d'autre? Ah. Pourquoi? Bon, du coup. Voilà. Du coup, je sais pas, il va me le voir pour aller à la case là, mais. Tu veux faire quelque chose? T'as besoin de quelque chose ou pas? Non, vas-y, rentre. Et toi, tu vas faire quoi? Je reste avec toi. C'est de l'eau. Ouais, pas de beauté, je te le galanter. Oh merde. Je dirais que c'est toi. D'accord, hein. On dirait que c'est quelqu'un qui a traversé, qui... Du coup, c'est chiant parce qu'on peut pas parler en voiture quasiment. Parce que du coup, le son est fort, faut que j'arrive à trouver le problème. Parce que moi, ça marche avec Clément, c'est la même. Et là, du coup, Yaya m'entend fort. Ça fait chier ça. Je sais pas comment on peut régler ça en fait.
faire fermenter comme on fait un créneau. Voilà. T'as vu comment on fait un créneau? Ouais, mais déjà, essaye de pas foncer dans des poteaux et après tu me montreras des choses. Déjà, alors déjà, c'est une bouche incendiée. Tu le dis à personne. Kodo, merci. C'est pas croyable. Vraiment? C'est Linked, je suis à la casa. Non, mais Diego, tu ne t'as pas vu? Comment ça, je t'ai pas vu? On est derrière. Comment ça, tu es derrière moi? Derrière? Ah, c'est. Le terrain de terre. Ça, on est là-bas. Si, on en est. D'accord, d'accord. Oups. C'est sérieux là? Non, 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 non. Ah, vas-y, ça rend fou. Non, non, je voulais pas te frapper. Non, non, je voulais pas te frapper. T'as fait une gueule pour qu'elle se pose sur tes cheveux. Oui. Allez, viens. Quoi? Bah alors? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est bon. Les garages, c'est bien en vrai, franchement. Faut que. Je sais pas, le téléphone, je sais pas. Parce que moi, j'ai l'habitude de fermer le téléphone avec la même touche que je l'ouvre, mais au final, je peux pas en fait. Je peux mettre une patate à yaya quoi. Tu fais poser un hélicoptère ici, non? Et voilà. Oh là, oh là. Et là, là. Quelqu'un tient pas de cet endroit pour, rendre, pour discuter entre nous, là. C'est pas mal, là. C'est. Comment ça va, Anaï? Ça va, et toi? J'ai cru que t'allais plus me répondre, j'allais faire super. Il y a... Il fait une bêtise. Ça va. Le jour qu'elle parle pas, c'est qu'elle est malade. Ce jour-là n'est jamais arrivé, malheureusement. Hier, j'ai réussi à gagner 1000 euros grâce à un flic. De quoi? Si, des dollars, 20 euros. Eh si. Des dollars. C'est le moi ou t'as du mal à articuler ou... Ah ouais, j'ai mal à... Ah, j'ai mal à la gorge. On les opérines, il y en a une. C'est pas les opérines qu'il faut qu'ils pleurent, c'est la pharmacie complète. C'est mieux, c'est mieux. On va prendre du jus de taureau, hein, je sais pas le moins. Hein. Ça va mieux ou ça va pas? Il est allé bien. Il disait que j'ai réussi à voler 1000 dollars à un américain qui est une gardien. C'est vrai. Ah si. Je crois qu'il faudrait t'arrêter ouais, l'appellation parce que ça te fait. Pardon, que... Ah, c'est raté, il faudrait que tu arrêtes de soucier des bites, clairement. Excuse-moi, mais c'était trop fort. Là, c'est malheureusement, hein, je ne vais pas te le mentir, là, Enrique. Malheureusement, elle manque un point. Il y était jour. Il va te casser la gueule un jour ou l'autre. Ah ouais, c'est trop oublié que je suis au-dessus de toi. Eh bah d'accord, on fait quoi ce soir? Alors du coup, ce soir, Philippe a dit qu'il fallait voir vos jolies vagos. Et quand, quelle heure? C'est pas moi qui ai le numéro des vagos. Merde, moi j'ai pas de numéro aussi. Hein. Ah, c'est bizarre, parce que le numéro apparemment en plus de Philippe, c'est lui. C'est. Du coup, développe. Il disait que ça serait bien qu'on les voit. Qu'on discute avec eux pour potentiel parce qu'apparemment ils crient sur tous les toits qu'ils travaillent des choses pas très nettes comme ils disent, pas très légales. C'est. Et il a dit qu'il fallait qu'on les voit et qu'on essaye de tâter le terrain pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir. C'est. Du coup, je vais le résumer parce que tu as un problème. Du coup. Super. Felipe veut qu'on les voit pour savoir sur quoi là, après ils bossent parce qu'ils font des choses pas très légales. Au sein de Los Santos, c'est ça?
Gustavo, c'est ça ou pas? Ah, si, est complet, c'est très ça. C'est vrai. Grosso modo, ça l'a fait. C'est, d'accord. Qui va te donner les numéros? Si. Après, j'ai très stylé merdé vu que tu as apparemment les numéros d'un. Si. 5 0 Attends, parce que là, 5 c'est là où? Je comprends là, rien de tout. Une. Putain, on a sucé des kilomètres, lui. Mais vous allez vous calmer là, je vous le dis, parce que. Putain, c'est le nombre de kilomètres est égal au numéro, putain, bordel de merde. Donc, 5 0 1 Si. Dos. Dos. 0. 0. 7. 7. 7. 6, 7. Si, 7. 7. C'est tout? 6. Tu le sais pas que j'appelle un numéro de merde. Il te le dit pas qui on est pour l'instant, tu le dis que t'es un ami de la personne d'hier soir qu'ils ont croisé au Burger Shot. Si. C'est répulsif, voilà. Il veut m'échanger. J'espère qu'il m'a donné le bon numéro parce que. Mielda. Du coup, ça répond pas là. Bon, elle est de m'aider. Eux pas répondre. C'est. J'espère qu'il m'a donné le bon numéro parce que le. Et attends, il appelle, il lui dit que ça marche pas. Du coup, tu rappelles tout le monde, appelle comme ça maintenant. Si, hermano, si, comment est-ce que si, le ton de cette putain de caméra, il te voit pas là. Merde, tu appuies sur le téléphone, tu vraiment con. C'est là, tu vois tes talons et ils sont un peu plus corrects. Ah, là, téléphone. Ah, dis-moi, il a pas compris là, il a pas le téléphone là. Ça répond pas, il veut dire pas le ton. Donc, t'es lui qui l'appelle, au pire. Il appelle et il voit directement, d'accord? Si, allez, à tout à l'heure. Ah, j'adore ce téléphone, moi. Si. Être trop bien, si. C'est il voit sa tronche de con, là. C'est. En tout cas, la prochaine fois, tu l'évites là. Si, attends, il me roule mon cigare, tranquillo. Si, dis-moi. Non, je l'ai donné une bêtise. Bon, je les ai quand même raté. Voilà. Si, le travail, ça se passe bien? Tu as trouvé un autre travail ou... Je ne trouvais rien du tout comme travail, j'ai juste cassé des cailloux ce matin. D'accord. Tu voudrais travailler dans quoi? Je ne sais pas quoi. Ok, Anaya, et toi aussi, tu voudrais travailler dans quoi? Ah, fou! Voilà, t'as tout complet. Bah, du coup, c'est bien qu'on puisse savoir ce que c'était. Non, mais pas comme ce matin, quoi. C'est trop difficile. Si, d'accord. Mais du coup, on ne peut voir. Rien de pour une société. Ah, si, mais bon, après, il faut falloir la financer, la société. Il va falloir commencer le business, etc. Ben, banquier, là, je sais pas, des choses comme ça. Toi, tu veux être le banquier? Non, mais je veux dire, il y a bien une personne qui fait des crédits. Si, je sais pas trop, faut voir. Après, je les connais pas encore, ces banquiers. Le problème, c'est qu'il faut être capable de rembourser, quoi. C'est ça le souci. Et pour l'instant, ça va être. Si, ça va être dur. Hein. Moi, j'ai pas envie de taper du cabu. Vraiment non plus. De la nouille. Hein. Non, après, là, je crois que. C'est bien Mano, il travaille au Venise. Il a été embauché hier soir. Si. J'étais là. Quoi, là si, ah, si, je sais. Mais comme ça, un AR7. On va le voir dans un bar ou quoi, si c'est possible d'acheter, voir le tarif, etc. Hein. C'est pour ça qu'il faudrait voir un peu pour se renseigner, quoi. Ça serait pas trop mal. Et un gouverneur en ville, sinon essayer de prendre un rendez-vous, voir avec vous les entreprises qui a d'autres disponibles à l'achat et voir. Voilà. C'est. Ça répond tout à l'heure, on va gérer son message.
Ça répond pas, t'as laissé le message, d'accord. Si tu m'as compris, c'est moi qui gère avec pour l'instant et après c'était le renvoi vers. Si les gens les avaient au téléphone, ça serait super bien. Puis après, ils travaillent au Burgle Shot. Et là, ils vous sur le Twitter, le Burgle Shot, il est ouvert. Là, si tu veux qu'on aille faire un tour, nous on voit et après on te tient au courant. Là, il faut la manger, mais c'est vrai, ça coûte cher le Burgle Shot quand même, je trouve. Si, si, il faut pas acheter au Burgle Shot, faut acheter la Superette. Ça coûte moins cher à la Superette. Après, je peux payer si besoin pour. Tu nous plantes des pizzas. Si tu prends des pizzas du coca, ça, c'est le meilleur et ça te coûte moins cher que ce putain de Burger Shot. Ça c'est. Ça y est, je suis d'accord. Il aime pas bouffe italienne. C'est. Je crois que là, pas le moyen de le contacter un banquier, je ne sais trop quoi là. Pourquoi tu veux voir un banquier? Si, il va le faire un play pour une entreprise, cogno. D'accord. Combien ça coûte, c'est le taux d'intérêt, ce genre de choses. Vous avez une entreprise qui vous intéresse? Et pourquoi pas une balle ou quelque chose comme ça? Après, faut voir avec la signora, donc on va vous C'est vrai que c'est pour toi. Si. Non, il faut voir. Si, tu peux le faire parce qu'il a entendu parler de nos vignerons aussi qui seraient à reprendre. Donc, est-ce que ça s'intéresse ou pas? Qu'est-ce qui t'intéresse toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi? Eh oui, oui, toi. Bah, quelque chose de pas trop fatigant, quoi. Ah ouais, ça commence bien. Et mon entreprise ne va pas être fatiguée. Non, mais sérieusement, il y a quelque chose qui est sûr de marcher, tu vois. J'ai pas envie d'encore. Ouais, nous bala, ça marche très bien, nous bala. Si, ou bala, je pense. Ou une botte de nouilles. Ouais, si on est fatigué, nous on vient boire un petit whisky. Ah, un bar, ça veut dire qu'il va falloir avoir des leaders. C'est ah oui, oui, ça peut être pas bon, mal. Tu l'as des videurs, tu l'as des chauffeurs et puis basta. Si, pour le coup, là, tu pourras embaucher les personnes que tu veux. C'est. Là, t'as déjà démaléginé un peu tout, donc c'est déjà le bordel, je crois. Incroyable. Tu as envoyé un message à la banque ou pas? Il faudra m'aider par contre parce que. C'est, je t'aide, nous on t'aide là, il n'y a pas de problème. Là, si gérer une entreprise, tu ça doit pas être compliqué. Super. Si, après, il y a sa soeur. À partir du moment, une fois que t'as plus d'argent, t'as plus assez de place pour mettre dans le coffre, t'es mort de poche. D'accord? Ouais, d'accord. Oh bordel. Oh, il a rien compris. Et voilà. Tranquille, il est sûr que ça va marcher. Si papa il était là, tu sais. C'est. T'inquiète. À un moment donné, tu renfermes les gens dans une pièce, tu les dépouilles et puis au niveau n'est connu. Non, c'est pas là, ça c'est pas une entreprise. Ça merde, je croyais qu'on était en Colombie. Ça marche pas. Si, sinon, essayez de vous lancer un peu sur ça, sur les entreprises. Ce soir, nous, on va essayer de tourner, voir les wagons s'ils sont disponibles. Ça, c'est. Peut-être le matin au courant de quoi? Essayez d'aller voir à la mairie. Pour que le maire il est intéressé par ça. Ça c'est. Là j'envoie un message au banquier, je vois s'il y a une passion au gouvernement. Si, si, d'accord. Même si j'aime pas trop le gouvernement américain. Gustavo, tu veux prendre les gros ou on prend? Si, si, on va prendre ça, on va être. Nous on va prendre le shafter. D'accord. Si, d'accord. Alors, tiens au courant. D'accord, j'ai pas de réel, je vous le précise au cas où vous n'essayez pas de me joindre sur la radio, j'en ai pas. Merde, si, il y en a pas aussi, donc au pire, pour l'instant c'est tranquille. C'est le fun ou pas? Ça, si on met un message et c'est tout un problème, on positionne tout de suite quand on débarque. Et il me disait, j'ai regardé sur l'application pour télécharger des trucs là. C'est. Il y a un truc qui s'appelle DarkShack. C'est. Si, ça. Je ne connais pas, moi, le téléphone, je n'utilisais pas. Moi. C'est un DarkShack, nous. Une petite chose tout discrète. Intéressant pour le communiquer discrètement. Si, c'est pas tracé par la c'est guardia, pas etc. Là, d'accord. Vous voulez qu'on fasse ça ou on va attendre un petit haut pour ça? Il faudra attendre, je pense. Tranquille. Ça, c'est le temps. Faut pas être pressé. Ça dépend aussi de l'autre accord. S'il souhaite avoir un truc pour discuter sans qu'on soit vous, hein, pourquoi pas. On verra avec. Ah non. Allez. J'étais au courant, s'il me rappelle. Ça, c'est d'accord. Et passe alors à la pharmacie en même temps, ton ordre de. Si, tranquille, il est la main. Un problème de micro, je crois, Thomas. Hein. Hey bro,
La barrière. Merde, merde, merde. Si, tranquillo. Gustavo, tu expliques la salle au jardinier demain. Et après, on se fout de ma gueule parce que je sais pas conduire. Eh ben ça, c'est bien. C'est bon, on a complet. Hein. Allez, viens. Bon, Gustavo, tu te débrouilles avec la personne de l'entretien. Tant pis pour toi. Tranquille, c'est moi qui la paye, il n'y a pas de problème. Allez. Attention, il te nous écrase. Oh putain. Ah, il a démonté la barrière, quoi. Il a tout arraché, quoi. Bon, tu fais attention, hein. Ça, c'est de m'appeler pour l'enchauffeur du dimanche. Attention à ce que tu vas dire. J'aurais dû. Bon, du coup, faut le voir, c'est un banquet. Ça, c'est déjà, on va parler pour deux, donc déjà, c'est déjà pas mal. Je sais pas s'il y a quelqu'un au gouvernement, du coup. C'est. Merci Diego. C'est dit, mais t'as déjà eu des problèmes avec les vacances ou tu connais pas du tout? C'est-à-dire? Ben, est-ce que tu les connais pour savoir où est-ce qu'ils habitent à peu près ou t'as jamais eu de problème, tu sais pas qui c'est? Ben, tout ce que je sais, c'est que un endroit où ils se retrouvent, c'est vers le quartier sud, mais je ne sais pas plus, je peux pas dire l'endroit exact. Donc tu sais qu'ils se rencontrent dans le sud? D'accord. Ouais, tu sais pas. D'accord. Proche du bar à prostituer. D'accord, proche du bar à prostituer. Quelque part, le problème c'est que moi j'y connais pas Los Santos, donc c'est compliqué. Mais d'accord. Ah, d'accord, lui. Ok, d'accord, Gustavo, ici aussi. D'accord, très bien. D'accord. Gracias, Diego. Si. C'est chiant parce qu'on peut pas trop parler en bagnole parce que ça fait mal aux oreilles, quoi. C'est... Je sais pas comment ça se fait, quoi. C'est oufissime. Je sais pas où. Il n'y a pas le truc du gouvernement. Merde, j'étais flashé.
C'est étonnant que tu n'as pas payé pour la pluie. J'ai pas pensé. Dis donc. On espère que quelqu'un sinon sera obligé d'avoir le respect. Je sais pas moi, je pensais que tu pouvais prendre rendez-vous, ça serait plus logique. Moi j'en voulais un passage, mais Alain ça l'a blanqué, j'en voulais un nouveau passage. Quelqu'un de secrétaire, quelque chose comme cela. Les gars. Attends, bah oui, c'est logique quand même. Bon écoute, c'est logique. Pourquoi tu l'as pas envoyé de message alors? Bon, fais quoi alors? Moi je vais envoyer un message au gouvernement. Ok. Et après? Plaît. Voilà, le blanquet n'a pas répondu, donc comme on l'a vu, le blanquet n'est pas là. Après, entre deux, c'est que tu as quelque chose à faire, dis-le. Hein. Non. Qu'est-ce que tu arrives encore? Bah quoi, je chante, j'ai pas le droit. C'est ça, c'est la première fois que je vois autant chanter, c'est incroyable. Ah, je suis de bonne humeur. Hein. Au bordel. Tu verras demain. Pourquoi? Comment ça demain? Demain, là. Pourquoi demain? Tu seras de bonne humeur aussi. Moi demain? Ouais. Ça dépend. Quoi, tu m'insinues que je suis toujours de mauvaise humeur ou quoi? Non. J'ai juste l'impression que t'as un balai dans le cul. Moi j'ai un balai dans le cul. Tu te rends compte de ce que tu dis, moi un balai dans le cul. Ouais. Et toi, je mange de mal au balai ou pas? Ah non, moi c'est pas le balai que je mets dans le cul. Putain, je vais de me faire flash avec tes conneries. Eh ben roule-moi vite aussi, merde. Bon, écoute-moi ce que tu veux là, hein. C'est... Je veux pas trop savoir là. Hein. Ok, ok. Non mais c'est pour discuter un petit peu, tu vois. D'accord, tu me fais penser que je ferai une quoi dans le calendrier où je dirais que j'ai un de ces quatre où quand j'ai des enfants, j'ai parlé avec leur tante de parler dans le cul. N'importe quoi. Je suis pas de tendre, j'essaie de me détendre plutôt. Bah, y'a pas Chris qui vient ce soir? Je connais pas de Chris. Ah! Toi là, t'as que tes bêtises. Ah, c'est pas moi! C'est. Tu vas voir, toi. Toi, de la chance, hein. Toi, de la chance, vraiment. Descends, tu n'as jamais complet comment on descend de nouveau le tir ou quoi? Arrête. Pourquoi? Me cherche pas là. Je te cherche pas les gars, voilà. Très bien. Normalement, tu le vois, tu es censé prendre un parapluie et me tenir le parapluie pour que je sois mouillé. Pardon? Yo, toi! Ah si, tu vois, j'ai quoi faire par contre, tu vois. C'est bon, il y a la plaie. Quelque chose, Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux pas, je regarde un truc.
Tu regardes quoi? Ton air aimable, couturier. Bien sûr que j'ai l'air aimable. C'est. Après, tu dis que c'est moi qui ai un balai dans le cul. Ouais, t'as un balai dans le cul, moi. Non, j'ai pas un balai dans le cul. C'est peut-être oh, toi qui en a. Un gros balai. Bah, toi, c'est pas un balai, couturier, c'est carrément un. Un tronc d'arbre. Un, ouais, un chibre. Je te dis. Ah, on est d'accord? Ça va aller? C'est... Sois pas jaloux. Je suis pas jaloux. Mais si t'aimerais. Bonjour, messieurs. Bosse là, nous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène au PDP, messieurs dames? Alors, j'essaie de contacter le gouvernement ou notre banquier pour savoir l'achat de notre place ou savoir comment se procède un crédit. Si vous avez peut-être, je sais pas, si le gouvernement serait ici, dans vos locaux, ou chercher d'autres choses. Alors, au niveau de ouais, tout ce qui est financement, ouais, faut passer par la LSPJ. Donc, je crois pas que la brigade financière est actuellement réveillée, mais je pense qu'il va pas tarder à arriver. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous veniez avec les papiers de l'entreprise, vous lui expliquez la situation, tout ça. Du coup, c'est là que ça se complique un peu. Disons qu'on n'a pas de papiers de l'entreprise parce qu'on va créer. Vous souhaitez en créer une? Attends, je crois qu'il faut passer par le gouvernement. C'est d'accord. Passez quand même, au pire, vous venez au PDP. Je vous laisse. On vous envoie un message. Oui, je veux bien, voilà. Et moi, je vous recontacte dès que l'agent... Si jamais vous voulez repasser plus un peu dans la soirée, c'est 42, si jamais vous voulez chercher. 42, d'accord. Voilà, vous demandez. Alors, 42. 38, 64, oui. 13, 5. C'est monsieur Rosa. Rosa avec un R ou un J? R-O-C-A. C'est bon, 42. C'est bon, moi c'est 54. 54. L'agent, c'est juste 42, c'est le matricule de l'agent qui s'occupe de tout ce qui est brigade financière. C'est pour ma secrétaire à côté de moi qu'elle note. D'accord. De toute façon, je vais vous envoyer un message matin, comme ça vous aurez mon numéro. On dirait un russe. Un russe, arrête avec un russe. C'est. Ta secrétaire. Merci. Ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Buenas tardes. Bonne soirée à vous aussi. Ta secrétaire. T'avais qu'à pas me chercher avec les balais dans le cul ou le chibre ou je ne sais trop quoi. Quoi. Attends, c'est toi qui as parlé de ça, c'est pas moi, je me permettrai pas. Bien, toi tu vas me sortir Bangambala, je sais pas que toi aussi n'as pas connu, non? Ah, Bangala. T'es très porté dessus, il va falloir détendre un petit peu. Hein. Tais-toi le dent. Bon, du coup, on va passer sur le coup. C'est bon, l'agent 42 est là, resté au PDP, il arrive. D'accord. Eh, pas tellement, c'est la peine. Il va arriver. Hein. D'accord. Je voulais venir vers la queue, si vous voulez. Tu bois de l'avocat à la place du whisky, là. C'est ça, hein, c'est... Ah, t'en fouilles. Du coup, je dis quoi? Écoutez, une secrétaire. Non. Bonjour. Bonjour, c'est vous pour l'entreprise? Bonsoir, oui, c'est ça. Je te laisse avec eux, 42? Ouais, bah j'ai remarqué. Messieurs, dames, vous voulez un petit café? Ouais, non, mais c'est tout le volant un café, hein, y'a rien. Non, ça va, je suis assez excité comme ça va aller.
Mais c'est chaud à faire vraiment bien l'accent et tout, en fait, c'est ça le truc. Dites-moi tout, messieurs, dames. Alors. Qui êtes-vous et quelles sont vos idées et vos projets? D'accord. Ce Diego Losa, aussi, Adaya Losa. Losa, c'est ça? Rosa. 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 R-O-S-A. Rosa, ok, d'accord. Ok. Soit savoir s'il est possible d'accueillir une entreprise, un bar, quelque chose de ce style-là. S'il faut un budget nécessaire ou faut, on peut faire un play. Un peu l'entreprise de quoi? C'est quoi? Vous avez déjà une idée? Bah, des ouvres un bar, par exemple. Un bar? C'est, par exemple, nous, une boîte de nuit, quelque chose de ce type-là. Il y a moyen, sinon il y a les vignerons. Je vois que vous avez un petit accent italien. Pas trop une boîte de nuit, c'est un carton. C'est comme vous voulez. Alors. Donc pour l'info, du coup moi ce que je fais en général, c'est plutôt le côté financier, impôts et tout ce qui est bridage financière. Voilà. Donc la chose que vous allez faire, c'est une fois que vous faites un petit dossier, ce que vous pouvez faire comme entreprise, par rapport aux entreprises disponibles, si vous regardez le site du gouvernement, il y a des entreprises à reprendre, et vous faites un dossier que vous soumettez dans un ticket, et après ils vont analyser votre dossier. C'est. Voilà. Après, une fois que c'est fait, que c'est validé, vous allez recevoir vos clés. Vous revenez me voir. Et puis, vous venez déclarer comme quoi, bah voilà, votre entreprise, vous présentez tous les papiers, votre entreprise a bien été ouverte. Et nous, on finalise en vous donnant un numéro d'immatriculation pour les fiscs, pour les impôts. C'est. Et puis, on demandera juste de déclarer votre nom, prénom, numéro de téléphone des patrons, des représentants légaux. C'est. Parce que vous avez des droits et des devoirs en tant que patron, hein, si un employé veut se retourner. Pour savoir qui contacter aussi. C'est madame qui sera patronne. Voilà, vous pouvez être deux, hein, y a pas de souci. Hein, voilà. C'est savoir qui sont les patrons. Et puis au niveau des impôts, pour l'instant, on est parti sur 5% du bénéfice, enfin, en sorte de bénéfice. Oh putain! Donc bénéfice hors avant prime et avant dividende pour le patron. Ça fait beaucoup de chiffres tout ça. Ouais, c'est de la gestion d'entreprise. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, la brigade financière est là pour vous aider. Du coup, vous avez pas... avant que de se faire réprimander par la suite. Par exemple, pour les vignerons, il y en aurait pour combien à peu près? Bah alors, je sais pas ce que le gouvernement vous demande. Moi, je suis juste là pour gérer les impôts. Après, si le gouvernement me dit de percevoir des taxes de création d'entreprise, bah, je le ferai. Mais il faut déjà que vous fassiez votre dossier et puis vous verrez ce qu'il vous dit. Oh, d'accord, nouveau, vous avez pas du tout de tranche de prix, combien ça pourrait coûter quoi? Pas du tout, je ne sais même pas si quelqu'un a déjà dû payer des taxes, je ne suis au courant de rien à ce sujet-là. D'accord. C'est gratuit, profitez-en, hein, les entrepreneurs, c'est des entreprises qui sont disponibles. Après, si vous voulez racheter une entreprise, après ça, il faut voir avec l'ancien propriétaire. C'est. Là, ouais. Vous avez d'autres questions? Pour ma part, non, tu as des questions? Non, pas pour l'instant. C'est tout bon, c'est la gêne. Vous voulez un petit café, pas du tout, vous êtes sûr? Non, merci. Oh non, ça va, ça va. Bon, bah, parfait. Ravi de vous rencontrer, monsieur et madame Rosa. Et puis... voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est. D'accord. Et je souhaite de tout cœur que votre projet se développe parce qu'on a vraiment besoin d'entreprises et de patrons sérieux dans la vie. C'est. Ah bah, on va tout faire pour en tout cas. V'là les deux patrons, toi! Ça va tout le bordel! Merci, bonne soirée à vous. Ah, merci, au revoir. Bon. Tu es excité, c'est ça que tu as dit. Oui.
Eh bah dis donc. Tu l'as vu que le monsieur est arrivé en voiture Lola, c'est quand même. J'ai vu. Bizarre là, l'SPD. Doucement, mes oreilles sont fragiles, je te l'ai dit. Bah coiffeur. Vigneron, ça représente quand même une charge de travail assez conséquent. Ouais. Tu voulais quelque chose où tu fais pas grand chose, d'accord? Non, je veux quelque chose qui marche, tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui marche, qui demande. Qui ne coule pas. Qui ne coule pas, oui, bah, ça ne coulera pas. Pourquoi tu veux que ça coule, voyons. Bien entendu, ça dépend de ce que tu l'embauches. Oh là là, j'ai mal au crâne. C'est tout. J'en ai allé un dé. Quoi que ça me démange. Tu me parlais un peu molle. Those gamer girls you met playing Exorbio, have you ever met one in person? Un peu molle. C'est comme un petit chambalo. C'est comme le nounours à la guimauve, oui, molle, ça va. Oh bah vas-y, allez, fais-toi des implants, là, que... Quoi? Des implants, que t'es... Que t'es fait une tête de bite. Pardon? T'as vu la tête que toi, on dirait une tête de cul. Alors, excuse-moi, je me regarde, je me vois, j'ai l'air très sérieuse. Voilà, moi aussi, je regarde, je me vois, j'ai l'air très sérieuse. Cool. Tiens, aide-moi à choisir, peut-être, ça pourrait m'aider. Quelque chose d'hôtel. Bordel. Superbe. Je plus t'emmerde. Problème. Je t'emmerde. Merde. Ça te m'aide pas, hein. Ah, ça va, je regarde. Oh merde, c'est quoi ça? Oh bordel. D'accord. Si tu as un employé, tu lui mets ses coupes de cheveux là, comme ça tu lui pourras blosser pas. C'est horrible. Comment ça parfait? Ça là, vraiment? Non, je parlais de l'autre. Tout. Je sais. Ok. T'es trop mignonne! Oh, mais t'es trop mignonne! C'est. Bonne. J'ai envie de le faire une bêtise. Non, fais pas de bêtises. C'est dommage. Minimum de sérieux. C'est.
Oh putain de merde. Je comprendrai jamais les Américains. Là. Ça inquiète avant, elle était bien. Mais tu vas trop vite aussi. Ouais, non, prends je le veux temps pas tout. De je regarder plante toujours les le temps, choses. Je plante toujours le temps. Là, de dire des bêtises. Laquelle? Celle-ci, là? Vraiment? Tu penses que celle-ci, c'est parfait, toi? Ah ouais, c'est vrai. Ton avis, vraiment? Bon, perfecto, faut pas abuser, il faudrait te refaire carrément tout le visage, mais je te l'appelle la que le. Chirurgie, tu vois. On est quasiment pas le là. Donc si je refais mon visage, tu le fais aussi ton visage. Hein. Je te l'appelle. Ah non. Ça c'est. C'est quoi ça? Quelle couleur? Ah, tu veux carrément teindre les cheveux? Ah, Non, carrément, non, 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 je dis des... Oh mon Dieu. Donc on va partir pour cela, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et toi, tu fais pas une coupe de cheveux? Tu vois, j'essaye plutôt d'économiser là, j'ai pas d'argent. C'est 10 dollars. Ils sont parfaits mes cheveux, j'ai peur. Ils sont pas le feu. Je pense qu'on n'a pas la même définition de pas le feu. Ça, c'est sûr. Tu es molle et tout là, et incroyable. Ah, c'est pas ce qu'on m'a dit hier soir. Ta gueule. Si tu continues à me chercher, tu vas me trouver, ça te fait bizarre là. J'ai pas de nouvelles Tu veux que je te paye un burger? Oui. Comme ça tu pourras lancer en bas une baleine, comme ça tu pourras plus sortir de la ville, personne te regarde là, c'est parfait. Non, non, t'inquiète, je ferai du sport ce soir. Tais-toi donc. On roule pas trop vite. Je fais ce que je veux. D'accord, d'accord. Je roule pas vite. Ah, m'agace, hein, c'est. Elle me cherche, hein, et je peux rien dire là. Là, c'est pas qui, c'est sa sœur et tout là. Là, c'est vraiment, je peux pas sortir de dinguerie quoi. Et je me retiens, mais j'ai tellement envie. En fait, c'est trop sérieux en fait. On va te réfléchir, mon cadeau. De quoi? Ton cadeau? Pourquoi? Quel honneur, en fait? Bah pour mon anniversaire, là, vu que je suis le meilleur flair du monde. Et vu que tu as failli me tuer ce matin. Arrête, c'est un accident. Un accident. Je pense qu'on arrive, c'est fermé. C'est une putain de blague. Non, mais c'est de nos blagues, là. Tu as peur de sortir de l'autre côté, ça se passe comment? Arrête, s'il te plaît. D'accord.
Bonsoir monsieur. Buenas tardes. Dites-moi tout. C'est possible d'avoir deux menus s'il vous plaît. Ok, alors deux menus. Attendez, attendez, parce que tu veux quoi dans ton menu? Pas trop lourd, pas trop gras, pas trop salé, enfin voilà, léger. Mettez un menu normal, ne bataillez pas. Ok. Alors du coup, je vais vous faire la petite liste des burgers parce qu'en ce moment avec l'inflation on a quelques petits problèmes au niveau des matières premières. Donc je vais juste vous dire la liste des burgers qui nous restent. On a le burger de New York. C'est. On a le Oklahoma Burger. C'est. Et après on a le Texas Burger. Et le California Yo Burger. Donc du coup, vous avez demandé ni trop gras ni trop salé, c'est ça hein. Oui, c'est ça. Après, en fonction des burgers, on peut en soit, t'es le chef hein, du si, cartel. En fonction du client, si il prête... Ah, je suis le second, Picard, je suis le second. Dans vegan, on peut retirer la viande, mettre autre chose ou mettre moins de sel, voilà. Moi, j'avais quelque chose de bien gras. D'accord. Pour la dame à côté, mettez quelque chose qui soit semi-glas, semi-classique, je sais pas, enfin... Ouais, un truc vraiment le grand classique de notre chaîne, quoi. Ça, c'est. Ok. Alors, du coup, dites-moi tout, monsieur. Au moins, je fais les deux commandes d'un coup. Du coup, Texas. Mettez deux Texas. Ok. Tu veux quoi comme plaçon okay. Comme toi. Coca. Ok. Donc, du coup, deux Texas, deux Coca, hein. C'est comme ça, c'est ouais, ça. Coca sans bulle, ouais. Du coup, si vous mettez un Coca sans bulle, vous mettez un Coca, mais du coup, avec la moitié d'un glaçon. D'accord, parfait. Après, ça donne des gaz, c'est pas ouf, quoi. D'accord, ok. Surtout, mais battez bien le coca, là. Faut que ça t'ait bien battu. D'accord, y'a pas de problème, monsieur. N'hésitez pas à lui mettre une petite claque au passage, au Coca-Cola. D'accord, y'a pas de problème. Attendez, venez sur cette caisse enregistreuse, monsieur. Voilà, au moins, je... Hop, hein, tac, tac, donc, du coup, hop. Alors, deux Texas Burger. Alors, un... Du coup, sur le Texas Burger, est-ce que je peux avoir la viande du côté droit cuite et la viande du côté gauche semi-cuite? Oui, je peux faire ça, oui. D'accord. Si vous voulez. Quel casse-couille? Tu parles de casse-couille, c'est toi qui veux un Coca-Cola sans boule. Alors, du coup, deux Texas Burger. Alors, un sans trop de gras, ni sans trop de sel, un autre avec une viande à moitié cuite, un Coca classique et un Coca... sans bulle avec un demi-glaçon et une claque sur le gobelet. Voilà. Voilà. Parfait. Faut que ça claque fort, là. Je crois okay. que tu peux lui mettre un pourboire parce que vu comment l'emmerde, voilà quoi. Hein c'est. Ok. Tac. Tac. Ok. Tac, 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 tac. Ah, ça fait long à écrire. Hein. Ah, je me le ticket. Hop. Ok. Ça fera 250$. Hop. Je vous envoie la facture. Vous allez la recevoir la notification. Voilà. Et voilà. On vous avait reçu. C'est parfait. Ok, parfait. Hop, je vous fais ça. J'arrive. C'est... Tu lui as mis un petit pourboire quand même. J'ai pas eu le temps. Ah bravo. Donne un petit pourboire à toi. Je suis pauvre moi, tu sais bien. Pauvre. En plus, il faut que je fasse des économies. Donc, des économies. Et puis en plus de ça, c'est toi qui m'invites alors, voilà quoi. Je t'invite. Oui, tu m'as dit, est-ce que tu veux? C'est une invitation, il me semble. Non, c'est pas trop une invitation, ça. Ah bon? C'est quoi, alors? C'est est-ce que tu veux, c'est tout. Tu m'invites à ce que toi, tu payes, tu vois. Non, je t'invite à ce que moi, je veux manger, et du coup, je veux pas te laisser le regarder. Voilà, hop, hein, tac, tac, tac. Merci. Alors... Je vais vous donner un petit pourboire, pour la peine. Oh, vous n'êtes pas obligé, hein, je fais mon travail, hein, vous savez. Oui, moi aussi, je fais le mien. Hop, je vous donne tout à vous, monsieur. Niveau coca, burger, etc. C'est oui. Par contre, j'ai dit, je vais falloir que vous preniez le billet, il est juste là. Hein. D'accord. Ok. Hop, tac. Hop, hein, et voilà. Moi, je vous offre deux frites.
Je vous ai mis deux frites dans la commande, c'est bon. Voilà. On voilà, n'oubliez pas vous le avez dit quoi pour le. Le pourboire et les OTC. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, ouais, d'accord. Donc, hop. Oh là, aïe. Ah, oula. Oh, aïe, aïe. Oula, oups, oups, oups. Voilà. Allez, bonne, bon astades. Merci, bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu attends? Bah, que tu m'ouvres la porte. C'est une blague, j'espère. Non. Enfin, chef Fumé. T'as plaît? Quoi? Chef Fumé, tu connais ou pas? J'ai plus 5 ans, hein. Bon, ok, je vais l'ouvrir la porte. Oh, voilà, t'en vois quand tu veux. C'est complètement vite. Attends, tiens, viens là. Oui, bien sûr, sous la pluie, oui, bien sûr. Bon, allez, viens, va-moi ce mousse. Va m'énerver, oh bordel. Et on va se poser au niveau de la table. Oh, regarde, il y a les petites bêtes, pas là. T'inquiète, les petites bêtes vont pas manger les grosses bêtes. Hein. Imagine, elle me monte sur la jambe, mais pas sous ma robe. Ah bah ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Hein. Appelez. Alors viens là, commence pas à couler pas tout. Je vais pas couler après toi, j'ai un peu 5 ans. Comment on fait pour donner... C'était un peu récupéré. Autant à vous. Merci également. Auto. On essaye de s'occuper les enfants, hein, je vous le dis, c'est pas... Ça m'amuse pas vraiment, mais on essaye de s'occuper, quoi. On essaye. De faire les scènes. Ça bosse sur quoi? Bah pour l'instant rien, puis quoi, tu vois, on va avoir un rendez-vous avec les voix gosses. J'arrive pas à ramasser le coca. Hein. Ça plaît? Attends, je vais l'amasser. Ouais. Bah, je peux pas le ramasser non plus. Je ne peux pas tomber. Pour l'instant, on trouve des scènes avec le pourvu que vous avez. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est il faut un petit peu de monde, tu vois, on va dire. Pour le temps que ça se lance, tu vois. Pour le temps que ça se lance. Après, ça va se lancer. Après, c'est une question de temps. Faut être patient, mais faut trouver des choses comme à s'occuper, quoi. Bon, on fait quoi? Très bonne question. Je sais que je me doutais que tu allais me poser cette question-là et je me suis dit, est-ce que vraiment, je devais devoir y répondre? Ben, ouais, je sais pas. Pour le regarder, je connais nos parts, je ne sais pas trop quoi, où c'est situé, peut-être à mon père. Tu veux m'amener boire un verre dans un Bouygues Pic, là? Non. Pas t'emmener pour la verre parce que je pense que t'es quand même payé un burger. T'as donné $500 ce matin. Je pense que c'est... Ah ouais, putain, je me suis fait flasher. Je commence à en avoir mal. Hein. Mais tu roules trop vite aussi. Ne crie pas, n'est pas pressé quand même. Bah, tant pis pour toi. C'est bon, non, de toute manière, faut pas être trop pressé. Hein. On va se mentir parce que pas dire, je pense qu'on va bien se fâcher. On va se fâcher, se fâcher. Ah. Ouais, on va se fâcher aussi. De quoi elle va se fâcher aussi, Dr. Maglas? Pourquoi tu veux que je me fâche contre toi? Pourquoi tu veux de la glace? Je n'ai pas dit que je voulais de la glace. Pourquoi tu veux que je veux de la glace? C'est toi qui dis...
j'ai de la glace. Non, j'ai pas dit que je voulais de la glace. T'as dit quoi? Tu m'agaces alors. C'est... T'as parlé de Carglass peut-être. Tu veux que je mette de Carglass ou moi, tu vois là. Non, je veux pas de glace, j'ai dit. Bordel. 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 Ouais, mais on a déjà trouvé certaines choses, ouais, t'inquiète. Il faut les joueurs pour du coup. Bordel. Bordel. Allez de te moquer de moi. Regarde. Bordel. Bordel. T'as sauté le R, mais c'est pas mal. C'est au coloré que le R que j'ai sauté dans ma vie. Bah malheureusement, c'est tout ce que tu peux sauter à l'heure actuelle, ouais. Je t'emmerde. Il est pas là, le Galaxy? Bah, je pensais qu'il avait une balle, le poteau est loin d'ici, mais... Peut-être là-bas, je sais pas. Pourquoi tu voulais une glace? Mais moi je veux pas de glace, c'est toi qui as parlé de glace. Non, fais pas l'accent, son background et il est pas pareil que pour l'accent, pas pareil. C'est année que tu voulais une glace. Non, j'ai pas dit ça. C'est toi qui crois ça, parce que je sais pas quoi, tu vois. Parce que de... si tu crois, je crois V, c'est ça dire. De quoi je crois V? Qu'est-ce que tu racontes? J'arrive pas à trouver ça, c'est le tableau peut-être, je sais plus où c'est. Ah, Gustavo m'appelle. Qu'est-ce qu'il veut? C'est... Yeah. Voilà, lundi à la casa, on va bientôt avoir le rendez-vous avec les Los Vagos. Et on se retrouve à la casa, d'accord? On se retrouve à la casa dans combien de temps du coup? Si, au plus vite possible, nous là, on se rend directement là-bas. C'est d'accord. Si, allez, à tout à l'heure. C'est. Qu'est-ce qu'il y a quoi qui ne va pas? Je sais pas là si je crie trop fort, je n'ai pas le sec de mon lit. Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe que là, du coup, je vais te l'envoyer en Colombie. Quoi? C'est. Pourquoi? Non! C'est. Je ne rigole. Du coup, on a le rendez-vous, du coup, faut qu'on aille à la casa. Vous avez un rendez-vous où? Rendez-vous avec des petites personnes. Si tu veux revenir, tu peux revenir. Ça t'intéresse? Ou tu préfères le voyage en Colombie? Fais attention. Ne cherche pas trop. Ça. Comment tu veux que je te cherche? Tous les jours tu m'embêtes, tous les jours. Ben je t'embête aussi, hein, t'es pas là, tu m'as dit que j'avais un palais dans le cul. Quand du coup si on a le rendez-vous, si tu veux revenir, tu peux pas venir en menu, je prends. C'est pas de ça. Non, mais je vais attendre à la villa. Tu vas attendre à la villa. Et si jamais c'est trop long, je t'appellerai, ok? Comment ça te veut m'appeler? Bah ouais. C'est juste qu'on est trouvé, c'est pas grave. Comme ça, tu auras le temps de réfléchir pour mon cadeau. Toi. En plus, il y a bientôt Noël aussi. C'est surtout que je vais avoir le temps de faire un petit tour dans la piscine s'il pleut pas, ouais. Voilà, la piscine, tout le temps la piscine. En même temps, oui, ta chambre est tout proche à la piscine. On va changer de chambre, hein, de manière. Non. Tu le clignes encore une fois, je m'énerve. Tu n'as pas besoin d'une grande chambre comme ça avec une. Tu n'as pas besoin. Si jamais tu fais ça, tu vas le regretter amèrement, je te garantis. C'est... Très fortement. C'est. N'oublie pas là que je peux te l'envoyer en Colombie et les couples. Mais c'est toi qui veux m'enlever ma chambre, pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Pour m'énerver, parce que t'aimes quand je suis énervé en fait. C'est. T'es fou. Mais non. Quand t'es navet, tu me fais rigoler. C'est déjà ça. Parce que je sens que je vais me faire chier là. Là, du coup, tu vois, quand
te fais une clé. Pourquoi, pourquoi tu vas te faire chier? Je sais pas. C'est mon petit doigt qui m'a lodé. Généralement, mon petit doigt, il saute le cloche. Tu vas te faire chier où? À ton rendez-vous? C'est. Oh, merci. Ça sera gardé et peut-être répété. Allez, balle blonzette, d'accord? En ayant des DMs, t'imagines? Elle a dit qu'elle allait bronzer dans la piscine. Ah, d'accord. Avec un gros bronzage, ça y est, tu fais pas le soleil. Non, là, ça va être un petit bain de minuit tranquillement. Bah, de toute façon, je vous appelle si vous êtes trop long parce que je m'inquiétais, je me connais comme d'hab. Alors, tu te parles quand tu te fais le bain au minuit? Ah, mais si tu parles en même temps, c'est pas possible. Oui, Riri. Ah, oui, Riri. Pardon, on en est arrivé là, du coup. Ah, ouais, super. Non, mais il y a déjà ma vie, moi. Il n'y a pas envie de mourir. Non, mais il y a Féfé, il y a Riri et il y a Gugu. Ok? Ah, d'accord, elle a pas commencé les numéros. Oh non, d'accord, d'accord. Je disais que. Ah, si, voilà que j'ai changé moi aussi. Ça, c'est le la même. Et ouais, maintenant. On y va 3, on y va 4, à Quattro, comment... Non, non, elle vient pas. Elle vient pas, elle vient pas. Et j'ai pensé qu'on pourrait prendre celui-là. Il fait un peu plus important. C'est ok, on va prendre ça. Et je vous appelle à quelle heure? 22h30, c'est ça? Alors écoute-moi bien, tu l'as... En visio, bien sûr. Tu l'as mangé un burger, tu vas poser tes grosses fesses dans la piscine, et puis c'est tout. Il y avait un message, je le laisse parler. Bah... Surtout pour en débrouiller, parce qu'on ne sait jamais si c'est cool. Bah regarde, j'en ai un débrouillé, tu le vois pas? Je t'emmerde. Bon, allez, 22h30 alors. Je vais me le changer. je peux rien. Je peux, j'ai envie de la taquiner de ouf, mais je peux pas en vrai. Faut que je trouve un moyen pour décoincer mon personnage. Bon, c'est poste chamblom, bonsoir. Putain, je me suis fait baiser. Je me suis fait niquer. Diego, mets tes affaires dans le sac et pose tes affaires derrière. C'est pour la grande, c'est la porte de l'eau. Elle est la bonne. Allez. Ça c'est. Qui conduit à Gustavo? C'est toi qui connais les. Il conduit, il conduit. Ça va, toi. Le chapeau lui a amorti le choc. Yeah. Ah, ouais, d'accord. Donc, c'est un Uber. C'est un Uber. C'est devenu. Quoi? Tu as dit quoi? C'est un Uber. D'accord, un Uber, d'accord. C'est la fatigue, tout. D'accord, d'accord. Tu penses qu'on sera plus dans le nord que dans le, ouais, dans le sud? Dans le flanqué, là, on va palter dans le sud un petit peu. Donc, comment tu veux qu'on marche, Diego? C'est toi qui discutes? C'est, on va discuter tranquillement. On va voir ce qu'ils vont, ce couleur ils travaillent, ce qu'ils font un peu à Los Santos, ils connaissent un peu de monde. Si je me souviens bien, normalement, le Vagos c'est au niveau des cultures sud. Alors, ça, ouais, ça, il en sait rien. On a essayé de trouver, mais bon, on n'a pas trouvé. Non, pas trop. Il y a beaucoup de quartiers dans le sud. D'après aussi, d'après ce que j'ai pu entendre, il coule beaucoup dans Santa Maria. Oui, d'accord. D'accord. Mais la Santa Maria, c'est Santa Maria, ça c'est tous les chrétiens. Ça fait tous les chrétiens. C'est... Le, c'est très important pour le. D'accord, d'accord. Et bon, après, j'ai l'impression d'être une personne quand même assez intelligente. Parce qu'il me parle avec beaucoup de respect. Tranquille, on peut le dire que c'est des cousins éloignés, tu vois. On a presque les mêmes racines. Hein. C'est des maricanos, quoi. Il m'aurait dit qu'il venait de Colombie, là, j'aurais été content.
après, apparemment, les réfets de Las Vegas, il dit qu'il a peur de la Colombie. La première fois qu'il y est allé, il a trouvé que c'était pas pareil. Enfin, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est pas pareil en Colombie. Et nous, on a plus de colonnes, hein. Ah, si, si, si. Je suis désolé de le dire. Je trouve comment on enlève ce truc. On a peur de te couper la tête. Donc, on t'a fait un petit tour la SPD pour les entreprises. Et faut, alors faut contacter le gouvernement et ainsi de suite. Je s'expliquerai tout ça, la tête le poser. Ah, d'accord, on a pris un rendez-vous. Nous aussi, on allait voir la Guardia pour le PPA. Et c'est un permis qui te permet d'avoir une arme sur toi. Je sais pas si t'es au courant. C'est depuis quand tu dois avoir un permis pour porter une arme? Des bonnes en Colombie, et t'as mal écouté, t'as une arme, tu la plans, hein, que ce soit une 47, etc. J'ai déjà une grosse arme dans mon pantalon, pour t'as déjà le pas, bon. Si tu parles du petit pétoir là. Je parle, c'est pas un petit pétoir. Rakera, il rigole avec toi. Moi, il va récupérer mon couteau. Les couteaux de mon pote. Mais ils m'ont pris à toi. Je vais les récupérer un jour. Toi, par contre, il faudra vraiment qu'on trouve vraiment rien de te donner des cachets d'aspirine ou je ne sais trop quoi parce que les longues. Mais, et vraiment, parce que. Gustavo me disait que tu aimais. Tant qu'il est depuis tout à l'heure, moi, pour moi, c'est parfait. Hein. D'accord, ça vient le mal. Et c'est pas, si. Non, il y a quand même un Enrique que je ne peux pas très bien. Et peut-être que t'as un problème avec les Colombiens. Voilà pourquoi ça, il est lui-même Colombien, connard. Attends, il reçoit un message. Bon, alors, rendez-vous avec les Vagos, les gars, hein. Voir un peu ce qu'ils vont proposer. Enfin, sur quoi ils bossent, le but est de savoir sur quoi ils travaillent. Etc. Et pour leur une position dans 10 minutes, ils pensent. Il m'a dit dans combien de temps, il dit dans 5-10 minutes. Tu me dis 2 et tu lui dis 2 minutes, on arrive. Tranquille. Dis-lui 2 minutes, oui, il a la pause. Je préfère les faire attendre un peu plus que. Mais moi, j'ai pas le temps d'attendre, c'est ça le problème. Il va leur dire maintenant. J'ai la différence entre 5 minutes et 2 minutes, ça n'est pas très grande. Faut que je l'emmerde. Faut que je l'embête. En vrai. Moi, je peux l'embêter. Je sais pas pourquoi, mais il aime bien faire des doigts. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme gif? Dis-moi, moi, il vous laisse parler. Hein. Tranquille. Il resterait un peu en le trait. Ça marche. Il prend ton téléphone pour la position. Tu me dis quand il est plein. C'est toi qui me dis quand il me dit quand il envoie. Et t'as le kilo. Il va aller, tu peux l'envoyer. J'aime bien. J'aime bien la position. Voilà, c'est un garage que j'ai trouvé. Garage que j'ai trouvé en cherchant tout à l'heure. Un garage là où je me suis fait soulever des millions de fois surtout. Ça, on est bien. Voilà, laisse-moi bien. Alors, je vais ouvrir les coffres. Les bordels de. Tranquille, c'est moi qui ai les clés. Bouge pas. Ouais, d'accord, si tu laisses faire. Ah, d'accord. Allez, prends la tout. Merde! Voir s'il y a la Guardia ou Ké qui arrive. Ah, si, c'est pas mal. Si, mets-toi en hauteur. Non, si, c'est bon ici. On va leur dire de mettre un véhicule à peu près par là. C'est. Animation. C'est d'hiver, je crois. Boire un café, non? Ah, je sais pas comment faire.
Mais ça va être trop marrant les gifs en vrai. Animation. Ah bah si, tu viens de te voir. Qui te disait que tu m'envoies un message quand tu les entends arriver. D'accord, d'accord. Ah si si, t'as bien fait, t'as bien fait, t'as bien fait. D'accord. Après, tu viens derrière eux. Ouais, c'est peut-être. Et il est bon. Allez, à tout à l'heure. Il est là-haut en hein, tenue hein, normale. Dès qu'ils arrivent, ils rentrent derrière eux et ils se changent. Ça c'est. Allez, j'ai accroché instant. Y'a si? Ah d'accord, mais il vient de le voir, il vient de le voir. Bon, ouais, faut pas se rater. Hein. Hola. Si, hola. Hola, hola. Allez bien? Ça c'est. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà. Et voilà. Ah, c'est toi là. C'est toi le numéro 1. Pardon. Attends. Il disait c'est toi le numéro 1 là. Si, c'est moi. D'accord. T'as un numéro 2? Ah, ma droite. D'accord, d'accord. Je vais laisser parler du coup la c'est... personne qui est à côté de moi. Bon, moi, dès que tu connaissais un petit peu certaines choses, c'est à Los Santos. Tu l'as vu quelqu'un il y a pas si longtemps, il me semble, non? Au Bogachot. Si, c'était moi, mais après, c'est vrai que, bon, oh, j'ai dit, t'as. Voilà, on a eu des petites informations sur des certains trafics. Après, je vais pas vous cacher qu'on n'a pas non plus toutes les informations qu'il vous faudra. Ça, c'est. Sache que chaque information que tu vas donner, tu seras récompensé à sa juste valeur. Très bien. Il y a quelque chose en particulier que vous voulez savoir ou... On parle plus en général de ce qui se passe en ville. Tu me disais que tu travaillais un petit peu dans le truc qui n'était pas très légal, c'est ça? C'est. Tu peux me donner quelques exemples? La coca. C'est intéressant. D'accord, d'accord. Ah, j'adore la coca. Ah, on aime bien la cocaïne. C'est vrai. Ça c'est. Ah, tiens, tu vas le donner avec la personne avec le masque. Et ensuite... Quoi d'autre que je peux vous dire? Ben, disons, nous, on fait un peu tout genre de mission, quoi. Faut me demander de choper un mec, je le fais. Après, je sais pas, vous avez eu l'information pour vos équipes en arma ou pas du tout? Peut-être que Felipe l'a reçu, mais nous, actuellement, non. Très bien. Parce qu'après, moi, j'ai des numéros, hein, si ça vous intéresse. Après, les numéros, personnellement... Comme il est trouvé là avec Philippe, il te le contactera sur le potentiellement dimanche ou lundi. Cadeau. Ok. Alors. Quand tu dis que t'as la cocaïne, tu te poses sur là-dessous, moi. Tu as quoi? Tu as tout? Tout? J'ai toutes les informations. Intéressant. Mais disons qu'on a commencé à y travailler dessus, là. D'accord, d'accord. Si. Mais tu... Parce que je suppose que tu n'es pas le seul... petit groupe qui circule au sein de Los Santos. Tu as peut-être des ennemis, des personnes que tu aimais voir mourir, peut-être. Bah, pour le moment, pas de personne qui me cherche des problèmes au niveau de mon business. Après, je sais qu'il y a des... J'ai vu des gars proches d'un motel qui étaient tous habillés en rouge. De ce que j'ai compris, ils ont des problèmes avec les poyos. Et le Vendique, j'imagine Vespucci, vu qu'ils sont là-bas. Après avoir, j'ai pas encore discuté avec eux. Mais le truc qui sont pas forcément au courant, c'est que Vespucci, c'est mon petit terrain de jeu. Donc, dès que j'y passerai les voir, je leur expliquerai calmement les choses. Et s'ils comprennent pas, ben, tant pis pour eux. D'accord. Il comprend bien, toi tu as Vespucci. Alors moi je suis à... Comment vous expliquer? Je suis à Rando,
Vous voyez où c'est Rancho ou pas? Je t'avoue que je connais pas trop Los Santos. Du coup, je connais un petit peu, je vois un peu où tu le sais, tu le... Tu parles de ton quartier ou de ton endroit? Si, ton quartier. Après, j'ai mon quartier qui est... Si, c'est mon quartier, c'est à Rancho, et ensuite mon terrain de jeu, c'est à Vespucci. C'est-à-dire que tout ce qui est vente de drogue ou bien là où j'amène des petites personnes pour les questionner, c'est plus vers mon terrain de jeu que je les amène, vous voyez. C'est. Après, pour l'instant, sans vous cacher, il n'y a personne qui est venu me chercher la merde. Après, ça peut arriver. Hein. D'accord. Déjà, tu comprends que si tu fais des choses qui sont bien envers nous dans le futur, tu seras forcément gratifié. Tu vois ce que je veux dire. Après, comme j'ai... je vous ai pas encore posé la question, mais du coup, vous, en soi, vous êtes qui exactement? Parce que est-ce que vous êtes juste des personnes qui veulent faire un peu du business ou quoi que ce soit, ou bien vous êtes plus gros? Je comprends c'est pas. C'est le solo prochain. Ça sera bien assez tôt aussi. Okay. Et toi, c'est tout simplement, si tu veux pas avoir de problème, travaillons pour le business. Dis-toi ça. Ah, très bien, ça me va. C'est juste que, vous savez, dans ma vie, des personnes qui m'ont, entre guillemets, essayé de commencer du business et qui ont essayé de me la foutre à l'envers, il y en a eu beaucoup. Hein. Et puis, des fois, ça a même été... Pour tout vous dire, même des poyos qui ont essayé de se faire passer pour des gars qui voulaient faire du business et au final ils ont essayé de me baiser, mais bon. Sache que nous on n'est pas des poyos, on est loin de là. Ok. Il y a les poules. Si Felipe aura envie de discuter de ça avec toi, il discutera de ça avec toi. Voilà. Ne vous proposez pas, je sais, ou toi. Répondez-lui à la radio, je suis occupé là. On est en pour le monde, contact après. Si je les aime, tu l'as tout le classé de la cocaïne. Si, après, il y a des choses que je peux vous expliquer, des contacts que je pourrais vous passer ou votre. À qui Felipe, comme vous avez dit. Ah, mais si tu pourrais commencer à discuter, tu sais très bien que moi, je vais en discuter avec lui. Après, on a un rendez-vous, je t'ai dit. Tu pourrais savoir que c'est toi qui a fait ce beau geste. Ben, moi, je peux vous donner un numéro. À plus. Ça. C'est le numéro du gars pour justement avoir les informations pour la droga, parce que vous voulez faire quoi exactement? Tu poses vraiment une question ou tu la connais? Ben, je me renseigne parce qu'il y en a qui veulent faire de la coca, d'autres qui veulent faire de l'héroïne, d'autres qui veulent faire de la meth, vous voyez, ça peut varier. C'est ça. Je pense que si on te pose la question sur la cocaïne, c'est parce que celle-là nous attire particulièrement. Dis-toi que l'homme au chapeau, malement, on le raffole de la coque, tu vois. Donc t'attends la réponse à ta question, je pense. Ok. Bah écoutez, je vous passe le numéro, je sais pas si vous avez de quoi noter. C'est il va l'entrer. Attends, Réfé, je peux te parler? Si. Bien. Dites-moi, à Los Santos, il pleut tous les jours comme ça, ou c'est juste c'est horrible. C'est. J'espère que ça va aller mieux, mais c'est compliqué. Je pense qu'à un moment donné, je vais pas de mon bronzage. Et c'est quoi votre nom à tous les deux, là? Je m'appelle Manny. Manny, d'accord. Moi, c'est Santos. Santos, d'accord, très bien. Une question, vous êtes toujours à Bianyon pour savoir que c'est votre couleur, c'est ça? Si. D'accord. D'après ce que j'ai entendu, ma connaissance, vous croyez potentiellement la Santa Maria, si on m'a pas dit de bêtises, c'est ça? C'est clair. D'accord. De quoi, monsieur, vous êtes en numéro que tu voulais fournir. C'est alors, j'ai vu avec mon, vous savez, mon secondo, on a discuté un peu et je pense qu'il a raison sur un point, ce que j'ai pas pensé au début quand on discutait ensemble. Là, je vais vous passer par exemple le numéro pour avoir les contacts pour la coca et le guillemets. Si je pense que si vous mettez dans le business, ça va vous rapporter pas mal. Moi, j'avais juste vraiment.
ce serait mal me connaître de passer des numéros à des gens que je ne sais rien sur eux. C'est... Et vous m'avez dit qu'en temps voulu, je saurais qui vous êtes, je ne sais pas. Te disons que tu le moques un point. Tu es plus intelligent que tu ne le parais. Quand je te le dis, dimanche ou lundi, tu le verras, Felipe. Je pense que tu le seras davantage, donc pour l'instant-là, tu as le temps de réfléchir à ce que tu veux faire. Dis-toi que nous ne sommes pas des petits tolflaps ou un petit gang de merdeux. Nous sommes là pour que les choses soient bien placées. Mais du coup, le numéro, si nous on sait qui c'est lundi, le numéro, vous l'aurez lundi. Oh si, si. Je vais être honnête avec toi. C'était une sorte de petit test. Parce que je voulais savoir si, par exemple, je venais dans le futur à vous donner mon numéro à moi. Si une personne qui venait rentrer dans le business ne pourrait pas donner le numéro comme ça. Et en soi, vous avez un peu réussi le test. Après, j'aime pas forcément comme test. Je préfère le dire. Ah, c'est vrai. Je comprends, mais je ne vais pas faire confiance à tout le monde, tu vois. Je vois. Tu le verras dans le futur que la confiance que tu as envers nous. Bah, cela est vraiment très important pour toi. Tu couris là sur l'agence, sur les femmes, tout ce que tu veux. Tu mets les femmes, j'ai ce qu'il faut, vous inquiétez pas. C'est bon, écoute. Il manque toujours quelque chose dans une vie. Et la plata, oui, j'aimerais bien avoir un peu plus, c'est vrai. Écoute, il y a ton numéro. Toi, entre guillemets, le mien maintenant. Donc, je te recontacterai, Mi ou Felipe. D'ici dimanche ou lundi. Et après, on peut discuter un peu plus sérieusement. C'est là mon numéro, puis on discutera vraiment des choses dès qu'il se sera présenté à nous. Si. Très bien. Écoutez, on se le voit du coup quand il est dispo. Et puis, si vous avez un moindre souci, que vous voulez faire, entre guillemets, je sais pas, attraper quelqu'un, kidnapper quelqu'un qui vous a emmerdé ou je ne sais quoi, vous nous appelez, si vous voulez, monsieur. Il y a l'entente. Très bien. Bon, mais écoutez, on va vous laisser qu'on a autre chose à faire. D'accord. Bonne astuce. Au plaisir. Si, à plus tard. Buenas. Et buenas. Et buenas. Bien joué, Vagos. Franchement, ils ont géré. Hein. J'ai vraiment cru qu'il allait me donner le numéro d'un coup. Bien joué, Vagos. Ils n'ont pas été bêtes. Ils n'ont pas du tout été bêtes. Hein. Franchement, ils ont eu raison de ne pas donner le numéro. Moi, j'aurais fait exactement la même. Franchement, ils ont été bien. C'est bien, ça rajoute quelque chose. Faut pas tout avoir comme ça en claquant des doigts, c'est trop facile sinon. Après, tu en proposes pas. Bah, en fait, Otto, on vient d'arriver. On n'a pas encore Caillou directement. On est pour l'instant implanté à la villa Fuente Blanca. On attend que la villa de Caillou Perico se construise pour pouvoir la Caillou Perico. Numéro 2, là, il a l'air d'être. C'est un peu plus réfléchi que le numéro 2. Si, bueno. Je suis pas le réfet les gars, c'est pas moi, je suis numéro 2, je propose des idées. Pas moi, ça la après piscine. Thomas là il a parlé, après... Bon Colombie, il aurait dit d'autres le truc, mais là, c'est pas Ono Puta, donc il aurait dit pas. Le quoi là, qu'est-ce que tu voulais dire? Si, par exemple, tu vois en Colombie, et moi il disait, allez, go à la piscine avec les putas, là il peut pas le dire, c'est comme ma sœur. Il a pas regardé les petits mecs en rouge là. Ça peut être qui eux je pense que c'est ce qu'on a vu au shot là, tu sais là. C'était bizarre. C'était ah lui, même la petite moto là qu'il aimait bien, elle était toute rouge. Il y pense. Après, oui, on n'est pas sûr. Peut-être. On est en un peu plus sûr. J'ai presque envie de parler tout le temps avec les numéros 2. Il aimait bien alors les faits. Il aimait bien, mais il a failli donner le numéro d'un coup. Si, mais bonne. Tu vois, quand tu vois l'effet, tu vois toujours le secondo qui est derrière elle, donc... regarde-moi ça, cette voiture en face. C'est...
Dans tous les cas, ils ont le circuit complet de la cocaïne. Il va falloir trouver vraiment quelque chose qui peut nous permettre vraiment d'avoir le circuit, leur donner quelque chose dans les chances. Si. Tranquilo, apparemment, ils ont le numéro d'une personne qui a le business ici. Donc, on les verra dimanche ou lundi soir avec Philippe, tranquilo. Je vais faire un rapport à Philippe dès qu'il rentre. Si, tranquilo, tu le feras plus tard, ça. Ah oui, oui. T'as raison. Il suit toujours dans le travail, tu sais, quand il commence. Il veut pas le dire, mais bon, pour attraper quelqu'un, il pense qu'on a les connaissances pour le faire. Ça, c'est... Pero, si on peut les mettre, tu sais, un petit peu dans notre poche, et que petit à petit, ils discutent pas trop, ça peut être intéressant de temps en temps à passer par eux. Oui, c'est vrai. Ah ça, ça m'énerve le truc en haut là, faut que je trouve la touche pour l'enlever. J'ai envie de l'emmerder. Après, il me dit que tu vois, c'est les seuls qui assument, qui font de la merde. Si après les autres, on les a pas encore vous, donc on saurait pas dire. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de monde qui a pu voir dans d'autres villes, en Colombie ou autre comme ça. Il y a des fois, ils n'assument pas. C'est le vrai. Ça c'est, mais fais attention à l'Ossidia. La phrase de toi sur le mine, tu peux te brûler les ailes. Ah, je suis d'accord. Mais, moi, on peut pas dire l'inverse, c'est qu'il a les couilles d'affirmer ce qu'il dit. Il a les couilles, magari, il a fallu donner un numéro, et puis il vient nous dire clairement qu'il avait le sac complet de la cocaïne. Ça, il a dit assez facilement, c'est vrai. Mais bon, appelé, il pense qu'il sait qu'on n'est pas des rigolos. C'est ça. Quand Felipe lui a dit qu'on venait des Colombiens, il claquait déjà des fesses. Il avait le cou qui claquait des fesses. Faut juste pas que l'on dise qu'on n'a pas vraiment grand-chose. Faut vraiment qu'on garde la longueur d'avance pour faire plein. Parce que si on leur dit qu'on n'a rien, c'est eux qui vont nous dire, qui vont nous dicter comment le faire, et ça va être problème. Peut-être pas eux, mais imagine les autres personnes. Tu vois. Oui, c'est vrai. Oh, il y a José encore. Mais il fait quoi ça là. Regarde, il a réparé la barrière. Par exemple, ça. Descends dans le pas. Il fait demi-tour. Ça va être repéré, repartir au cas où. Ouais. Voilà, je crois qu'on est presque à l'heure. Hein. 16h30, non, 29, pas 29, on est ici. Hein. Pourquoi vous voulez faire quoi là? Je sais pas, ta soeur, elle nous a dit, elle nous attendait pour 22h30. Comment ça, 22h30? Qu'est-ce que la copie veut? Je sais pas, là. C'est elle qui l'a dit avant qu'il parte m'habiller. C'est écoute, de ma faille, j'ai compris que tu te fasses frapper. Ça c'est, je pense qu'elle est là l'intérieur. Elle dort. Elle est dans sa chambre, elle dort. Ah, tu sais qu'il est la plus belle des chambres, moi. Moi, je sais pas que tu as pas pris ma chambre. Ma chambre, elle est là-haut, non. Regarde, je vois la vue. C'est la mienne, celle-ci. Alors non, parce que c'est là où il me suis arrivé. C'est impossible. Si après, tes affaires sont longues de l'eau. Viens voir, mon frère. Viens voir. Il va t'emmener en bas. Il n'y a pas ce qu'on sera. On va aller en bas. Quand sera mieux. Et des putains partout, ça serait trop bien. Pour les baiser à longueur de journée. Tiens donc, je vais donner ton message, je vais pas tout lire parce que là du coup. Pourquoi? Bah, je vais essayer de déchiffrer un peu cette merde. Tu peux sucre. De cadeau. C'est une énigme, à toi de déchiffrer correctement. Okay. Bah, l'énigme, je l'ai trouvé. Ça, c'est que du coup,
Je ne sauce pas ce genre de choses, c'est plus l'inverse. C'est les gens le font à ma place. Tu vois ce que je veux dire? Bon, du coup. Tu es obligé d'être désagréable comme ça, vraiment. Tu as profité de la piscine? Non. Et pourquoi tu l'as dit à Enrique Gustavo d'être ici à 22h30? Quoi? C'est. J'ai pas compris. Pourquoi tu as dit à Enrique et à Gustavo d'être là à 22h30? J'ai pas dit d'être là, j'ai dit j'ai appelé! Oh, vous déformez tout là! Bah, ça c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ça c'est le. Pourquoi ils ont. J'ai jamais dit ça! Bah écoute, c'est ce qu'ils m'ont dit. À moins que j'ai mal compris, à moins que ça soit mal expliqué, c'est ce qu'ils pourraient aussi. Ah, bah bravo! Et du coup, je réponds pas à ton SMS, mais tu. Ouais, tu sais ce que j'en pense, tu le mets là où je pense. Là. Cordialement. Tiens, tiens! Alors, comme ça, j'aurais dit qu'il fallait que vous soyez rentré à 22h30. C'est ce que vous avez dit, 22h30. Si, c'est ce qu'elle t'a dit là. Si. Si, mais non, j'ai dit que j'appelais à 22h30. Si, bah, toi, même pas besoin, on est rentré à 22. Et Diego, qui te laisse la chambre là? Qui te laisse avec le soleil? Moi, il est en bas. Tu vas en bas? Oui, si, on est mieux. On pourra faire le plus de bruit et vous entendrez. Allez, à moi, tout. Par contre, Diego, il faudrait que tu déplaces mes affaires parce qu'il y en a beaucoup trop. Elles sont où vos chambres à vous là? Je vais voir, je vais te visiter. Je pense pas que ce soit une bonne idée de visiter juste en bas, mais on va trouver des trucs assez bizarres. Je pense que ta chambre est plus bizarre que le nôtre. Non, ma chambre est très correcte. Normal, c'est où je vais te mettre mes vêtements, je nettoie tout le temps. Et je comprends pourquoi c'est dégueulasse à chaque fois le matin. Si, donc là, la première chambre, là. Là, c'est même pas une chambre, c'est une salle de bain. Si. Donc, grande salle de bain, et etc. Ça va, ça va. C'est correct. Et quoi, c'est quoi, c'est. Là, moi, il y a ma chambre qui est tout de suite à gauche. Là, la plus belle des chambres, je trouve. Incroyable. C'est, j'avoue. Ouais, elle est pas mal. Mais par contre, tu vois, il manque une petite fenêtre. Tu vois, moi, je. Oh, je pourrais pas là. Oui, c'est vrai. Ah, moi, il m'aime bien. La télé et tout, ouais. D'accord, je savais pas qu'il y avait ce genre de choses. Il y a des chambres partout ici, en fait. Oui. Okay. Là, c'est la chambre de Hermano, là. Enrique. Wow! Ah ouais, quand même. Ah, mais ouais. Un peu plus de couleurs. Ça. Un peu plus de sobriété. Un peu plus de sobriété. Et bon, après, là, c'est la meilleure pièce de toute la casa. Ah, ça, il y a la salle. On a une petite télé. Ah ouais, c'est la salle de cinéma, oui. Non, c'est une petite télé. Oh, wow! C'est notre salon. Viens, mon imam. C'est là où il regarde mes trucs. C'est là que tu regardes quelque chose de bizarre, oui. Par contre, il faut faire attention. Ça là, c'est quand même un des moindres. Ça sent pas le sambon, c'est. Oui, tranquille. Il y a la Kunchita, ils vont embaucher une Kunchita, je pense, pour faire le ménage dans la casa. Bon courage pour trouver une Kunchita. Ça se trouve facilement. Tu lui dis, si, tu travailles ou tu meurs. T'inquiète qu'elle va travailler. Carrément, il veut. Tranquillo. D'accord. Ah, tu vous dis. Ah, voilà. Là, c'est soit tu nettoies ça tous les matins, soit il te coupe un lion. Il pense qu'elle va choisir de nettoyer. Ok. Bah après, il y a des femmes qui, de toute façon, ont besoin de travailler. Hein. Des pauvres, voilà, là. Ça l'est, là. On n'a pas été dans ça. Pas obligé, forcément, de les menacer, mon Dieu, les pauvres. Pourquoi pas. Ah non, mais pourquoi pas un homme de ménage, tiens? Pourquoi une femme dessus déjà? Si, appelez la femme, si tu veux, tu peux avoir un homme de ménage pour toi. Hein. Appelez, tu fais ce que tu veux avec lui, mais bon, moi il préfère une femme. Mais j'avais pas pensé à ça. Si, pourquoi pas. Moi c'est Gustavo de l'ajouter ça. Du coup, ça fait un chauffeur, un garde du corps, un homme de ménage. Tu n'aurais pas encore de chauffeur à l'ajouter. Il faut que tu choisisses bien parce que sinon, il faut pas non plus que tu laisses coucher ta soeur avec n'importe qui. Appelez, bon. Tu comme ça, c'était une prostituée ou là? Mais je sais pas, je te l'ai dit. Quoi, je sais pas? Quoi, je sais pas? Tu dois voir si tu ne sais pas. Je sais pas. Oui, bah, sache que ce n'est pas une prostituée. Bah, maintenant que tu me dis, je te crois. Oui, j'espère bien que tu me crois, oui.
C'est dommage que je fasse un volet, donc c'est Gladolfos quand même. Il ne pas parce que c'est la marque des Félix. Voilà, de suite on aime le cul, on est prostitué quoi. Non, mais c'est dingue ça. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le grand. Il n'y a pas dit ça non plus. On sent pas Loulou parce que du coup il est tellement d'appelé, ouais, ça aussi. Tout droit, non? Ou à gauche, ah, là, après, ouais, pas celle-là. Vraiment, l'orientation c'est pas fait pour vous, allez, frère. Ah, ah là. Ça clé l'histoire. Si. Sinon, on va pouvoir. Tu pourrais engager qu'une personne qui fasse tout, hein. Un chauffeur et un homme de ménage et... Justement, j'intéresse ça, je voulais que je vous dise ça, Gustavo et Enrique. J'ai deux, trois petits contacts de Colombia, pour seulement deux personnes de Colombia qui vont l'élever. Il y a de l'élever. D'accord, ça c'est. Des soldats en dépôt. Ça c'est. Des bons soldats. Moi, il y a peut-être une personne aussi qui va arriver. Il nous avait rejoint en Colombie parce qu'il avait des problèmes ici à Los Santos avec les Poyos. Et il a passé 2 ans avec nous avant qu'on parte. Bon, il avait un peu peur. C'est vraiment très très gentil et très et sympathique. Du coup, je pense que. Je vais le prêter à la Yaya, comme ça, moi, elle me fout à la paix sa manette. Les gars, il y a un chica dans le lot ou pas du tout? Non, il n'y a même pas de chica. Mierda, putain. Non, mais il me faut une chica pour moi. Comment ça, Truya, là, comment ça s'appelle? Tu as une ville, qui était laissé regarder dans la ville, tu choisissais que toi. Mais moi, je préfère les Colombiennes. Mais pas de cool, messieurs, vous avez trouvé mon cadeau d'anniversaire ou pas? Qu'est-ce qu'il veut, mon cadeau d'anniversaire? Si, tranquille, moi, il y a ton cadeau d'anniversaire. On parle pas ce que tu m'as parlé ce matin, parce que je te le jure. Ok. On peut pas refuser un cadeau. Ah non, si, non, tu vois, si il t'amène une stripteaseur rien que pour toi, il t'a sorti. Le collègue m'a dit. Oh, c'est pas bête. Il m'a bien aidé. Une stripteaseur, tu viens de me dire une stripteaseur, tu te fous de ma gueule. Une stripteaseuse. Merde. Une femme, je sais que tu aimes pas les hommes, cognon. C'est heureusement encore. Et comment ça, un cadeau, ça te ne le refuse pas? Ben non, un cadeau, ça se refuse. Ça dépend du cadeau. Surtout elle, il t'a sorti qu'elle a un cul d'enfer. Je sais de qui tu parles. Écoute, je veux pas quelque chose de pas goûter les passés. Hein. Ah, moi, il n'y a jamais goûté, mais bon, elle a jamais voulu. Ça, sans déconner. C'est bon, vous avez fini, c'est bon, non? Il aimerait bien que tu discutes de ce que tu m'as dit dans la voiture à propos de l'entreprise. Alors, du coup, oui, on a été voir tout à l'heure. Comment ça s'appelle? Valdia. Si. On dit qu'il faut contacter le gouvernement. Pour l'entreprise. Ou sinon, trouver une entreprise créable. Oui, d'accord. Et toi, Anaya, tu voudrais travailler dans quoi? Parce qu'en ville, je crois qu'il y a une vigneron à le plan, donc il y a du travail, ça va être travail dur, là, je pense. Ouais, c'est ça le truc. J'ai vu qu'il y avait une deuxième balle. Je crois que ça s'appelle le Galaxy. D'accord, bah c'est ce que j'essaie de trouver tout à l'heure, mais j'ai pas trouvé. C'est une espèce de boîte de nuit, je crois, il y avait entendu ça. Ça t'intéresserait, ça, une boîte de nuit? Qu'est-ce qui serait le plus rentable, enfin, qu'est-ce qui marcherait le mieux, tu vois, c'est ça. Appelez, bonne. Il faudrait que tu te sens bien au travail. Donc la boîte de nuit, tu pourras vraiment avoir beaucoup de monde. Travail, c'est simple, on va dire. Et après, tu pourrais aussi, pour nous intéresser, nous, après, vite à la boîte, tu pourrais apporter pas mal d'informations avec la boîte de nuit. Puis en plus, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de bars qui sont ouverts là, ici à Los Santos. Donc c'est une numéro 1 sur le marché. Là. Ça c'est vrai par contre, j'ai envie de boire un whisky, depuis que j'ai envie de boire un whisky. Tu voulais avoir là, pas mal de plata. On va donner un cadeau, je vais te les donner. Regarde, on va donner un cadeau. Après bien sûr, on était de là, ça va le soir. Ah mais par contre, vous me laissez pas tout seul avec tous ces alcoolos là, qui puent la gueule et tout là. T'inquiète pas, nous on se défoule là de temps en temps, ça nous fait du bien. Si, tu auras des personnes pour la sécurité, etc. Merci. Donc il n'y aura pas de problème. Voilà, là c'est mon cadeau. Ah si, gracias. J'ai trouvé ça, je sais pas. Si, c'est le pollo qui me l'a donné la dernière fois quand j'ai volé 10 000 balles. Mais du coup, voilà, il faut vraiment faire un truc pour le gouvernement et après passer par la Guadiane et... C'est enfin, qui... ça tout à l'heure hein. C'est... Oh ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a? Il a bu ça. Il aurait pas dû boire que sec. Périri.
Il m'a dit que ça venait des Colombiens et il les croyait pas. Et ben en fait il les croit. C'est. Oh t'aurais dû faire comme moi, moi il y a la boîte tranquille, de toute façon il aime pas la bière. Mais il me disait que tu vois, c'est un américain qui me l'a donné, donc il a dit ah, il manque de la merde. Donc il a dit plus je la bois mieux c'est, ben en fait c'était vraiment de la bière colombienne. Du coup là, il faudra faire ce petit truc et puis ça sera vraiment... En tout cas j'ai vu la Guadeloupe arriver en voiture rose, c'était très intéressant. Ok. Toi, dis quoi? Quelle voiture? En voiture rose. C'est rose. Le mec de monsieur de la finance, je sais pas trop quoi. Et alors, d'accord. Je pense qu'un de ses collègues a voulu lui faire une blague. Et nous, on a une Mustang, il était, je crois, tout à l'heure, être ça, Nicky, hein? Si. Il fait un dérapage avec le 4x4, de quoi il est venu nous voir. D'accord. C'est un voyant qui s'appelle Chris. Est-ce que tu peux arrêter de me regarder avec tes bras croisés là? J'ai l'impression que tu vas me couper en deux. Il y a l'impression qu'il va t'envoyer une droite, tu n'y es pas prêt. Je sais pas ce que j'ai encore fait encore. Mais non, rien du tout. Je sais que tu as mis à la majeure les coupes de cheveux que j'ai fait tout à l'heure, mais bon. C'est mieux, ouais, les implants avec les implants, ouais. C'est pas des implants. Ah bon? Ah d'accord. D'ailleurs, oui, c'est vrai, t'as plus de cheveux là. Ça c'est, t'es au courant de faire tout à l'heure. Mais dis-moi, c'est vrai que t'as beaucoup plus de chevaux là. C'est. Ils font des choses merveilleuses, les coiffeurs ici, pas connu. Combien ça t'a coûté pour rajouter des chevaux hein? Ça m'a coûté $10. Pour rajouter des chevaux, 10 balles. C'est. Oh bordel. Moi, il n'y en a pas besoin, il me dit. C'est toi l'adresse d'une coiffeur? C'est une coiffeur vers. Vers Venwood. Vers Venwood, d'accord. Moi, c'est le tatoueur que j'aimerais bien trouver aussi. Il n'y en a pas, il est allé voir, il ne travaille pas. Il est demandé. Merde, il y a ça me plaît. Si, ça serait cool. Un tatoueur. Hello, comment il va? Ça va, Big Boy? Tu vas bien? Ça fait un bail, ça va et toi? Ça va tranquillement, regarde. Ah, du coup, j'allais vous poser une question. Répondez avec honnêteté et sincérité, sinon je serai obligé de me fâcher. Si. Est-ce que vous pensez que j'ai un balai dans le cul? Ah si, il était à Stolt, on a one. Ah si. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais bon. Il faudrait que... Il sait pas. Il a l'impression que tu es pas à l'aise ici, tu vois, Los Santos. Oui, il pense. Peut-être pas que tu es dans le coup, mais peut-être que tu es pas à l'aise. Il faudrait que tu te changes et que tu fasses un peu quelque chose d'un peu plus contract. Si, voilà. Tu es tout compressé, il y a l'impression dans ta tonneau et ça te monte au cerveau. Tu es tout lourd, là, on le garde. C'est pas tout lourd. Pourquoi tu ne veux pas un petit polo comme nous, un chapeau pour le soleil, tranquillo? J'ai pas eu le temps d'aller au magasin. Disons qu'en ce moment, je sais un peu trop de chou-fleur. C'est pas là? Si, après, bon, c'est assez là quand même. C'est, mais baiser la main, un balai dans le cul. Vraiment, j'ai un balai dans le cul. Oui! Wow, Big Boy! Balai, même. Toi! Toi, ce n'est pas une balai que tu vois dans le cou, c'est une foire également. Ah non, c'est autre chose, mais bon, tu veux pas en parler, alors écoute. C'est... Je veux même pas savoir de tout. Merde. Merci Big Boy, troisième mois d'abonnement, merci à toi. Et toi, les magasins qui sont dans la ville. C'est... Pas à moi, Felipe, je n'ai pas de balai dans le cou. Sinon, je vous assassine. Mais après, il n'y a pas de mal à aimer ça. Alors écoute-moi bien, d'accord? Il y en a un qui rentre dans mon cul. C'est moi qui rentre dans le cul des gens. Des filles. Là, tu m'as compris. Ah, je ne veux pas savoir. Il va rester contre le véhicule, comme ça, là. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas la même formologie. Donc, tu n'as rien à craindre. J'espère. Oh putain! Le striptease aussi, ça t'intéresse, ça, Naya, ou. Quoi? Il y a une balle de striptease en ville. Tu préfères être la platane de ça ou plus une boîte de noix? Ah, ça dépend si je peux recruter des hommes aussi ou si elle est. Ah, si, il va falloir des danseurs là, parce que bon. Nous, on aime les chicas danser, mais bon, les chicas. Tu peux les deux peut-être. Je pense qu'il faut les deux, effectivement. Pour pouvoir satisfaire tout le monde, je ne sais pas. Je compte sur vous pour m'aider un petit peu, voir qu'est-ce qui peut marcher. Ça va t'aider.
franchement, et il te dit une des deux, peu importe. Ouais, retour en RP, ouais, retour en RP. À toi de voir ce que tu préfères. Yaya, Baba, Thomas. Si après, c'est vrai, il y en a une qui est plus dans les quartiers un peu pauvres. C'est le, je vois le bas que tu parles, c'est l'endroit que je te le disais, le NK. Si, là, oui. C'est elle est prostituée. C'est, voilà. Il y en a une qui est plus vers les villas des quartiers UP que vers les gros quartiers que l'autre qui est. Après le Galaxy, normalement il est situé de l'autre côté de tout ça. Après, je sais pas quoi. Tu lui as montré les deux pour qu'elle se fasse une idée. Là, j'ai pas le temps de monter le Galaxy parce que je l'ai pas trouvé. Allez, venez voir, moi je sais où il est, je connais la loi. C'est. On va aller pouvoir s'habiller, on va pas aller à l'habiller des roses. Allez, on tire le balai dans le cul qui est là, ok. Moi y'en ai pas. Maintenant tu as un balai dans le cul, cherche pas à te l'emballer dans le cul, c'est tout. Bah non, y'a si je te dis que tu as un balai dans le cul, c'est que tu as un balai dans le cul. Bah non. C'est. Non. C'est. Yo, non, non. Oh et là, vous avez fermé votre gueule et j'ai conduit, il y a besoin de me concentrer. T'as la chance de conduire. Sur la route et ok, vous avez tous un balai dans le cul. Y'a un problème. Ça me dérange pas. Toi, ah d'accord. J'ai pas dit que c'était toi quand tu avais un balai dans le cul. Toi, là, là, bah si, t'as dit tout le monde. T'as dit tout le monde, faudrait savoir. Moi je cherche pas, tu vas m'agresser sinon. Mais il est comment le balai, il est gros? Ah toi, il pense qu'il est plus long hein. Je te plombe, je sais pas, je ne dis plus rien, tout le monde m'agresse. Ça se fout. Vous êtes... Bon un peu sérieux là quand même. Et où alors? On est sur aller sur le serveur au beau-frère à... Non, mais il est... Si tu veux je te balance le lien. 10h30, t'as toujours pas appelé Diego. Attends, je te balance. Le truc. Tac. Merde. Tac. Voici le Discord. Bon, à 10h30. Tous les ailes. Ah oui, mais. Il m'a envoyé un message pour dire que. Vous allez arriver. Ouais, ça vous dit. On en est là. C'est de quoi que j'ai pas entendu. J'ai déconcentré sur mon téléphone. Ah, mais non, mais c'est pas grave, ne t'en fais pas. Ouais, c'est un wetlist, tu vois. Pas grave, Tico. Tu comprends? Ça. Bon, écoute, et encore, je dis pas tous les messages parce que. Il comprend, il comprend. Il faut garder quelque chose de secret. Tais-toi, loin. Parce que pour le numéro 2, il faut pas non plus tout dire. Tu approuves ce qu'il vient de dire, ça veut dire que tu caches quelque chose de pas très net. Je cache des choses que tu ne peux pas t'imaginer. Je veux pas savoir. C'est le Galaxy, non? Si, je crois, mais bon, non, ça, c'est les mêmes, tout ça. C'est malade, oui, mais du coup, les têtes en l'innovation. C'est les mêmes. C'est intéressant. Non, et. Tu penses que c'est ça? C'est l'innovation. J'ai regardé sur TripAdvisor, c'est pour ça. Après, c'est le temps de faire des travaux, je pense. Qui est passé, attends. Attends, regarde. Tac. Et toi, Big Boy, du coup, ça va ou quoi? Tu fais quoi en ce moment? Je pensais que c'était là-bas, moi, les galaxies. Tu fais quoi de beau? Ah si, si, tu vois les zones. Merde. Ah, c'est ce qu'il a dit. C'est moi qui me suis trompé de barre. Oui, ça, c'est le Medusa. Regarde, TripAdvisor. Et je t'ai mis sur le palais. Oui, d'accord. Bon, on va aller voir l'unicorn. Il y a les mêmes ou vous voulez que, vraiment que l'intérimaire pour faire ça? Il y a l'impression que toi qui connais Los Santos, tu galères plus à rencontrer que nous qui utilisons une application, Nico. Du coup, moi, je connais certains endroits de Los Santos parce que des trucs pas très... Voilà. C'est tout. D'accord, non mais il veut pas savoir en fait, il t'a dit. Attention. Ok, attention. Pourquoi attention? Si, si, je sais qu'il y a la guardia. Et il me suis allé au feu. Il m'en fout. Par contre là, les feux rouges, il y en a à foutre là. Ils connaissent pas là. Allez, moi aussi, je connais pas. Bah, je vais venir, c'est vrai, tu veux venir. Je viens de recevoir un message, apparemment la ville passe en Defcon 5. Tu veux venir en quoi Defcon. Mais je sais pas, c'est un message là qui dit le gouvernement. Attends, il va te le lire. Car faites-le ça, Unicorn. C'est Unicorn, il n'est pas de prostituée. S'il y a plein de les quartiers autour, bon, il faut pas te les envier. Hein. C'est, je me trompe pas, d'ailleurs, le car wash. C'est toute la longueur de quartier afro-américain. C'est des petits noirs, quoi. En gros, qu'est-ce que j'ai compris pour les DEFCON, c'est en gros la police, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ah si, d'accord.
Oh, y'a l'autre, il va le mécano, là, il y a la flemme d'aller travailler. C'est quoi ce tunnel là? C'est pour aller sur la lune? Il essaie pas. Il essayait avec la BF400. Et en gros, tu bats, tu montes. D'accord. Tu montes tout en haut. Et quand t'as le queue pour l'essayer, c'est toi? Bah, bien sûr. Quand il peut tester des trucs avec la moto, il l'a fait. Pour peut-être réparer et perdre les policiers. Bah, si vous êtes cartel, oui. Bah, on est cartel. On est cartel Caio Perico, mais pour l'instant, on est sur Los Santos à la villa de la Fuente Blanca tant que Caio Perico se construisent, tu vois. Clairement, tu vois, c'est. Si tu veux, on t'expliquera, hein, Big Boy. Hein. Tu vois, t'es bienvenu, hein. Tu sais, hein. Y'a pas de soucis, hein. Mais juste, y a du légal et de l'illégal. Moi, Yaya, on veut vraiment faire le légal plus du légal, tu vois. On veut vraiment taper des barres, s'amuser, tu vois. Parce que le RP cartel, c'est ça, c'est street, tu vois. C'est vrai, ils disent que j'ai un balai dans le cul, c'est vrai que j'ai un balai dans le cul, parce que moi j'ai envie de rire, j'ai envie de taper des barres, tu vois, c'est dur. C'est dur, je trouve. Pour l'instant, je suis pas à mon aise, hein. Pour l'instant, je suis pas vraiment à mon aise. Aïe 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 aïe. Tu vois, pour l'instant, ouais, je galère un peu, enfin, je sais pas. Ça... Les gars, on a un problème, je crois. Okay. C'est très 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 urgent. Comment ça? Dites-moi, tu as besoin de boire ou de manger là, c'est ça? Non, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ah, merde. Là, il y a une soupérette en face. C'est la soupérette. Mais un truc propre, hein? Oui, oui. Soupérette. S'il y pense pas, il y a une idée. Le pants boy, tu sais, le truc, il vous. Un truc de vêtements là. Vite. Si, il me dépêche. Il était sûr que tu n'as pas intérêt à pisser dans le dos. Au pile, là, la grosse banque, il pense qu'il y a des toilettes. Ah si, là, oui, c'est gomme. Ah, c'est... Ah, dépêche-toi. Dépêche-toi. Attendez. Pour le temps, là, il va pas l'avoir nous sentir. On a l'impression qu'elle va accoucher, quoi. Il était sûr que s'il y a pisse dans le dos. Incroyable, ta soeur. Allez, incroyable. Dis-toi là, que je supporte ça depuis que je suis te poté. Ah si, ben nous aussi on a sur le poil ça, mais bonne. L'étoile au jeu que je passe, je pense qu'elle se la mettra jamais. Au contraire, je pense qu'elle sera plutôt libérée, non? Tu te fous de ma gueule, là. Non, il rigole, toi, qu'il était taquine. Merde. Je veux quoi, notre à gauche? Ouais, tu dis que tu peux rejoindre le groupe, tu dis que tu rejoins le groupe du cartel, tu vois. Et tu fais un background, tu rejoins le cartel, tu vois. Tu as dit à Diego Rosa, ou bah tu dis que tu rejoins le groupe du cartel d'Anaya, tu vois. Et voilà, tu vois, tu cites les noms, hein, tu vois. Y'a pas de soucis, Big Boy. Y'a pas de soucis. Y'a Armano. Tu m'achètes une intorno pour mon anniversaire. Ça, c'est te fait coller. Dis Alal. Tu peux pas l'envoyer sur la lune, en plus, non? Moi, il te dit, tu vois, tu te fous une doigt dans le cou. Tu penses folle à ta intorno. Et tu vas te faire encourer, d'accord? D'accord. C'est bon, il était clair. D'accord. C'est ça, le machin, tu prends calmement un balai, tu te le mets bien pro. Il n'y a pas besoin, il est dans le tien déjà. Alors, il y a un dans le cul, d'accord? C'est moi qui mets quelque chose dans le cul des filles, je l'ai déjà dit, espèce de cognon. Et tu veux quoi, toi, hermano, pour ton anniversaire? Dis-moi. Moi, tu regardes la pancarte derrière, là. Tu vois, moi, je le vois dans l'étroviseur, là. Une belle pancarte, il veut même de trucs. Il va nous foutre. Il va, d'accord. Il va nous foutre. Tu veux des maillots de bain, d'accord. Non, il veut une grosse putain, merde. Ça, c'est bon, on a complet. Putain, là, mais du temps pour. Ah, mais d'accord. Je pense que c'est, à mon avis, le bug qu'elle a mangé. Hein. Il est tranquille, ou. Va, ça a tous envie de pisser, ou. Elle est très bonne. C'est bon, t'es plus légère, c'est bon, le burger, la pâté. Ça va mieux, ouais. Je pense que toi, c'est là. Tout ça, Galaxy. À droite. C'est Galaxy. C'est voilà, c'est tout là, les amis. C'est ça, les Galaxies. C'est ça, les Galaxies, non? C'est. D'accord, pas appelé. Il va falloir faire des travaux, par contre. Attends, il me gale en face. C'est, j'ai appelé un coup de peinture et après un coup de chiffon et un balai, c'est pas ça. Oh, mais combien ça va coûter tout ça? Pas de problème. Et pas grave, c'est pour un souci, la plata. Du coup, tu l'as tout la l'unicorne ou le galaxy, ici? Là, c'est plus dans les nôles de la ville, là, tu vois, là, de plus des personnes un peu plus aisées, entre guillemets. Un peu léche.
Bah si, d'ailleurs, moi, il va m'acheter un truc à boire et à manger, là. Il y a besoin de quelque chose, j'en ai pas sur. Non, oh, tranquille, il va acheter en à côté. Il arrive. D'accord, d'accord. Il va sortir, fume mon cigare. Désolé, j'ai pas le fait exprès. Moi, il a dit, ça mérite de me prêter pour un rendu. Non, non, non. Si, 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 par contre. Je te dis que j'avais pas fait exprès, c'est que j'avais pas fait exprès, c'est pas assez grave. T'as pas fait exprès? Ah bah pourtant, quand tu m'as fait mon petit repas ce matin, t'étais tout gentil. Tu vois pas de quoi tu parles là. Ah non, non. Tu te souviens pas? C'est de continuer de le plaindre. Et alors, numéro 2? C'est. Comment tu prépares les dégâts? Moi, il y avait bien un pour demain matin ici. Tu n'auras rien du tout, toi. Allez, s'il te plaît. Alors, t'inquiète pas. Il y avait aussi des sandwichs pour les midi. Tu n'auras rien du tout, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je pense que il y avait aussi un café. Ah, un café. C'est. Tu ne veux pas une bonne chocolat non plus, non? Non, du chocolat. Ça ne me casse pas la couille avec ton chocolat, Quentin. Tu te la mets plein profond dans ton cul. Pardon, là, il y a le balai. Ah voilà, il recommence, il pense qu'à ça, au cul, au cul, au cul, hein. Écoute, j'ai pas l'air si j'aime bien le cul, hein. Je sais pas, on dirait pas, quoi. J'adore le cul. Bien tassé dans le tien, on dirait dit. J'adore bien, j'aime bien quand c'est le... Plus c'est long, plus c'est bon, je peux t'assurer, mon thé, il est nickel. Ah bah, comment tu le sais? Parce que c'est très bon, je t'ai cru, espèce d'enculé. Je veux bien savoir comment tu le sais, tu sais. Mais je sais que c'est très bon. Moi aussi, je veux savoir. Moi, je veux savoir. De quoi, tu veux savoir quoi? Plus c'est long, plus c'est bon? Anaya me l'aurait dit, j'aurais rien dit. Mais toi. Non, mais de quoi, moi? Y'a rien qui rentre dans mon cul, je te dis, espèce de trou de cul. Ouais, mais il veut pas savoir, là, tu viens de me dire l'inverse. Non, non, je t'ai pas dit ça, là, j'ai pas dit l'inverse, espèce de banane. D'accord, super. Banane. Attends, ça fait très numéro 2. Ça, c'est. Pour la lettre de me prendre pour un trou de cul. Alors, plus c'est long, plus c'est bon. Ok, noté. Ça, c'est. Et j'aime bien quand ça claque bien, ça va pas se mentir. Apparemment, il me dit que plus c'est long, plus c'est bon, mais je sais pas comment il le sait. Ah ben, il comprend pas lui. Il a pas compris. Si, d'accord, il va. Je parle d'une fille avec un homme, espèce de trou de cul. Ne t'en fais pas, on juge pas. Fais attention, voilà. Côté-nous, t'as raison. T'as pas vu qu'il y avait des cochons à la casa? C'est jamais lui. Ah, en plus, tu te fais des cochons. Putain, je sais. Toi, tu vas le tourner en Colombie, l'hélicoptère avec un. Coup de pied au cul, ça te fait bizarre là. Ah, t'as pas le droit. Il c'est la garde, hein. Alors il tourne pas en Colombie. Attends. Elle dit ça là, pas mal. Il y a une journée en Colombie, elle m'appelait tous les 5 minutes pour savoir comment ça va. Merci, big boy. 100 bits, merci. T'as l'inquiète, non? Il pense que tu peux pas t'en passer d'elle. De quoi là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, c'est qui va me faire mon petit déjeuner après, mince. Ouais, il fait les petites dînes et moi ah, la connasse. Si, il y avait une aussi, moi. Bah oui. Tan. Je n'ai pas de petit déjeuner. Si demain matin, 9h, il me réveille, il veut... Il n'y a pas de petit déjeuner pour vous demain matin, 9h, mon tour de cul. Et pourquoi? Parce que... D'accord. Bien, si c'est pas 9h, je le veux à 10h. Tu vois rien du tout. Tu peut-être si tu le fais quand tu te réveilles, moi, tranquillo. Hein. Je vais pas attendre. Big boy. On n'est pas fiers, mais on s'est pas servi. Bon, tout c'est bon, tout est gagné, tout est contente. Bah non, tout est pas changé encore. Ça là, hein. Tranquille, on va. Allez. Fallait pas me cracher dessus. Je t'ai pas craché dessus, j'ai éternué juste à côté de toi. Je te l'ai craché dessus sur le tête différent. Dans ma tête. Je t'ai pas craché sur ta tête. Hein. Fais-le toi. Tranquille. Tu vois, il est même pas grand avec sa propre sœur. Incroyable. C'est impressionnant. Rien. Il parle à mon frère, tranquillo. Vous êtes sûr de vouloir me chauffer comme ça, vraiment? Ah, moi, il te chauffe pas, moi, il n'a pas envie de toi, hein, par contre. Moi, non plus, je suis clair. De cette manière-là. Apparemment, toi, t'as envie qu'on te chauffe, ouais. Il veut pas de problème, mais moi, c'est pas trop mon délire. Bon, ce soir, j'invite tout le monde dans ma chambre. On va regarder la fin de 50 nuances degrés. Vous allez voir. Ok? Tu commences à te regarder 59 degrés, mais il c'est pas contre toi, Anaya, mais il veut pas regarder 59 degrés avec Diego dans la même pièce. Ah bah, il viendra pas. Comment ça va? Là, d'accord. Rien du tout, vous restez dans vos champs à titrer.
Il y a plein, nous on a une sous-sol. Moi, il n'y a pas besoin, là, nous. On a l'été de mon plan pour les vidéos, tout ça. Moi, je chauffais pas. Merci, Big Boy. Ah, hein. Bah ouais, on va voir ça sur le... au cinéma. Parfait. Merci pour le flow. Tox, merci bien. Mon salaire, j'ai gagné 300 balles. Maintenant. Merci. Eh, tu veux savoir de quoi? Dis-moi. Moi, je suis en train de baiser l'État. C'est mais oui, tu travaillais pas. Tu veux savoir quoi? Il proposait mon travail dans deux travails. Du coup, il gagne double. Il gagne 400 dollars, moi. Mais non. Ouais, il vous en coule tous. Ouais, bah tu en coules parce que. Mais non, moi, il est cru aussi, mais non, ça marche pas comme ça. Il est assuré. Si, il est assuré que c'est 400 dollars. Eh bah alors, je me fais 600 dollars. Voilà. Comment ça, tu te fais 600 dollars? Moi, je me fais 50 dollars. C'est quoi les bonnes de vol, là? Bah oui. Oh. Ah, il y a maintenant que... partagez pas la combine. Il faudrait prendre un travail au plan emploi, d'accord? Par oui. Contre, maintenant qu'il y a une moto, il doit payer la facture. Et je sais pas si tu prends deux contrats de travail en même temps, tu vois. C'est après, bonne, c'est comme si tu travaillais dans deux endroits. C'est pas si tu vois, et puis voilà, moi c'est comme ça qu'il est fait. Hein. Pourquoi tu l'as pas dit dès le départ ce matin sur éviter le conquête des cailloux bêtement? Après, bonne, allez me le dire. Ça, je n'ai pas besoin de te le dire, tu dois me le dire directement. Moi, il est déjà 4900. Oh là là. Mille. Tu veux savoir comment il est. Il te rappelle qu'il y a acheté une moto. Si elle t'a, si c'est vrai. Comment elle t'a coûté ta moto? 13 000 plus combien de coûts? 3 000. 4 000. D'accord. Il est 25 000 dollars. Merde. Bon. On va changer de vêtements, changer de vêtements de Diego. Vous allez tous bien le chat, ça va bien, tranquillement, la pêche à faire, merci pour le follow, merci pour les bits, merci pour le sub, hein, les gars, ça fait énormément plaisir, merci beaucoup. J'espère que vous passez un bon moment, bon c'est pas le même RP que d'habitude, habituellement c'est un RP fun, gang, ou avec qui, ce genre de choses et tout, là c'est différent. Faut le temps que ça se mette et tout, faut que j'essaye de me lâcher un peu, mais c'est pas évident, parce que t'es second du cartel, c'est pas évident en fait, hein. On peut se mentir. Hein. Je galère avec l'accent déjà. C'est pas du tout évident. Y'a pas genre une chemise, un truc comme ça, là, basta, là. Sans déconner. J'ai crash, là, vraiment? Mais non. Ah, oh, j'ai eu peur. Faut que j'avais crash, j'allais dire ce que le bordel. Bon, moi les habits, les gars, ça fait deux dans GTA. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Vraiment. Hein. J'aime pas les. Enfin, je kiffe pas les polos comme ça, honnêtement. On va mettre ça. Non, en fait, j'aime pas. On va mettre ça. C'est au pire. Faut toujours mettre 15 parce que j'aurais remarqué qu'il y a un souci avec ça. Bof. Oh, mais non!
Ah, je vais trop vite. Je vais trop vite. Franchement, j'ai pas vraiment d'idée. C'est un truc de barge. C'est mieux comme ça c'est. C'est le bon. Peut-être en plan pour être un peu plus détendu, une pelle de lunettes et un petit Ça c'est le truc. T'inquiète donc pas là, c'est juste que je sais pas mieux ça. C'est tranquille. Et au moins là tu parlais un peu plus détendu, tu vois, tout est plus stressé. On pourrait prendre un chapeau, tiens. Si, tout peut, c'est. C'est lui, il a déjà pris le chapeau blanc, il a pris ma couleur préférée. Qu'est-ce que je lui ai fait de lui? Ah, pourquoi? Tu peux prendre le blanc aussi, regarde-moi, il n'y a pas vu, il a pris le noir comme Philippe. Hein. Pas grave, hein. Pouf pouf pouf, accessoires, chapeau melon, botte de cuir. Ouais, vas-y, je mets une casquette. Reviens vite. D'accord. Si, ça lui va bien son petit, comment s'appelle? Son petit blouson là avec les roses là, ça. Peu près comme votre nom de famille. Ça, il aimait bien. C'est une sale gosse, sache-le. Ah si, mais bonne. C'est sale gosse, elle m'a levé quand il était jeune. Ça. Ainsi que toi aussi, tu m'as levé. C'est. Attends. Tu l'es bien comme ça. Incroyable. C'est. Franchement, ça te va bien. Ah, si. Tu peux noter, c'était le premier dernier compliment que j'ai te fait là. Oui, c'est bizarre, c'est pour ça que je me dis, il y a un truc derrière ou. Ah, si, moi, je t'assure que. Ça te va très bien. Le premier, ça sera pas le dernier. C'est. Prends pas une embêtée non plus. C'est une belle femme, il a le droit de dire que c'est une belle femme. On va appeler, laisse tomber, appeler son passé, ça c'est le problème. Ok, c'est reste à la vérité, attends, Diego. Toi, une belle sœur. C'est pas mal, hein. C'est. Comment ils disent ça, les Américains? Une casse-crouille. Casse-noisette, je sais pas trop quoi. Non, tranquillo. Ah, c'était trop beau pour qu'il me fasse un compliment, il y avait quelque chose. Bon, en tout cas, t'as l'air moins coincé un petit peu là. Et je sais pas quoi c'est, je t'ai déjà dit, hein, d'accord? Ah, d'accord. Ah, par contre, il faut que j'aille acheter vite à boire parce que je dois. Tranquille, il va te passer quelque chose. Il est parti avec la voiture. Ouais. Merci. T'as rien. Et voilà, là, était le mieux. C'est. Bon, après, ça fait. Moi, j'aime bien ces petites chaussures que tu vois là. C'est. Tu les plus. Comment dire? Prends un petit polo comme ça. Ouais, mais tu sais très bien que pour l'instant, moi, les polos, il fait que pleuvoir. C'est juste attraper un coup de froid. Il est le vrai, c'est vrai. Il faut qu'il y ait beaucoup de soleil aussi. Franchement, tu le vois très bien. Hein. Je ne reviens pas. Je demande à y croire. Ah oui, à ce point-là. Je te jure que franchement, c'est exceptionnel. Hein. Oh là là, qu'est-ce que tu as demandé? Vas-y. Bon, j'ai rien à te demander. Hein. Sur lui, tu sais peut-être quoi faire au moins. Perfect. Perfect. Et t'es le bon. Salut. Allez.
J'espère que je les ai réussi les screens. Parce qu'on est tous bien habillés, j'espère que je les ai réussi. Hein. Allez, quand on peut, quoi. Il est fumeur. Vous continuez avec nous ou je vous ramène à la casa? Tout le coup fait, il le fait quoi là. Juste acheter un masque pour nous deux. Après, n'a pas le temps. On va vous suivre, on y va. On va dire qu'on n'est plus pas le travail. Peut-être vous voulez que je vous arrête au Pôle emploi pour récupérer le salaire. C'est une très bonne idée ça, parce que vous avez gardé une très bonne idée pour vous. Ça, je le tiens. Super. Putain de radar. C'est t'as vu, hein, putain de radar de merde. Moi tout à l'heure je me suis fait plein de 5 fois parce que le yo-yo là t'es pas de blablaté. Parce que tu sais te conduire. Ça c'est juste très conduire. Hein. Tu sais très bien ou tu sais c'est très conduire très, bon, très bien conduire. Ah d'accord, je me disais aussi. Quoi, c'est très bien que je connais très bien. T'es très bonne là, si vous allez dans le bâtiment à droite. Si tu veux continuer à avoir ton lolpa et ton petit déjeuner, t'as tellement bien à dire que je connais très bien. D'accord. Je conduis super bien. Super, super. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, je joue pas trop. J'aimerais bien un petit beignet à la framboise ici, ce serait cool. Je me suis douté que tu le essayes de me le voir déjà rentré. On dit deux travail alors. Bientôt le signal. Si vous avez des idées les gars, n'hésitez pas pour que je puisse l'embêter un tout. Hein. Arrête de couler là, ça sert à rien de couler là. Imagine, on aurait été trois jumeaux, un colloyeur. Bah, du coup, c'est pas des jumeaux, c'est des tripés, il est con. Toi, t'as con. Ah. Il est un peu con les zones. Ça, mais c'est pas la clave. Moi, je me suis complé, c'est le plan, c'est pas là. D'accord. On va juste nettoyer le troc. Hein. Le troc, c'est un vieux cool. Tranquille. Attends, il va. Ah, aïe. Oui, aïe. Attends, je descends. Après, au pire, tu pourras essayer de prendre ton service un peu court. Si. Franchement, je pensais pas que tu étais aussi doué pour nettoyer des véhicules. Je savais que t'étais de ces deux bords là, je le savais. Non, c'est pas le sebo là. L'importante è la mia mandrella. No. C'est bueno. Dommage qu'il n'y a pas les choses qui sont ouvertes, je sais pas, là, un petit truc, une petite soirée, une petite fiesta, ce genre de choses. Tu cherches des ombres pour ta nuit? Non, j'ai pas dit ça. T'as dit, pour l'instant, c'est pas la priorité. Mais ça en sera un jour. Ça en verra bien, un de ces quatre, mais je pense pas que ce sera la priorité également. Très bien, y'a pas de problème, si tu cherches les ombres, c'est pas mon problème. J'espère ça. J'ai tellement avec problème que tu veux que je trouve quelqu'un. Réfléchis un peu le pantalon. Et appelé okay. Pourquoi pas un chicaï juste pour la nuit. Hein. Concentre-toi sur celui-là.
Il t'amène à l'unicorne, tu rentres dedans, tu demandes et après on te revient. Bon, juste le temps de fumer un cigare là, avec les... Si, si. Si, si, on est d'accord. Alors. Moi je fais pas comme le blond 5 minutes. Hein. Comme qui t'as dit? Comme le blond, je mets pas 5 minutes à faire quelque chose. Non, non, t'en mets qu'une seule. Y'a doucement. Allez, bouge, bouge là, ta voiture de merde. Et il va descendre à l'hiver en couille. Si après, vous voulez pas que toi, tu habitais longtemps ici, nous on était toujours en Colombie. Moi, ça n'est pas une que il me tapait, mais trois en même temps. Moi, il m'en bat les couilles. Ça, avec une raille de cocaïne en même temps. Ça, pour les couplets, on a couplé, oui. Toujours des hélicoptères ici. C'est, pas c'est normal, il y a une centaine de secours là, pas trop loin. Oui, d'accord. Il y avait un hélicoptère. C'est plus tard. Tu as un cas où tu pourrais peut-être acheter un max au cas où c'était tout loin. Un masque? Oui, au cas où. On sait jamais. Parce que tu veux pas, c'est pas grave. Ça peut être une idée, on sait jamais. Plus tu veux pas, c'est pas grave. C'est jamais. Si tu veux pas, c'est pas grave. Ouais, je crois que j'ai entendu là. Mais en fait, j'aimerais beaucoup, mais tu vois, j'ai pas d'argent. T'as pas d'argent pour moi? C'est incroyable. Alors, il y a quoi de vous sur Twitter? Twitter. Les gens, ils publient pas beaucoup sur Twitter. C'est dommage. Parce que moi, c'est quelque chose qui permet d'avoir les informations de Twitter, à chaque fois. Hein. Honnêtement, tous les serveurs que j'ai fait, Twitter, laisse tomber, j'avais plein de choses avec Twitter. Merde, faut qu'il pleuve, ça y est, pas quoi là. Il fait que pleuvoir! Incroyable! Tic tac pouf. Miel, pas un problème. Mais en vrai, la veste à Yaya, ça y va bien, franchement, ça fait stylé. Avec la couleur de le cheveu de son personnage et tout, franchement, ça y va bien, quoi. Même tous, son perso, je trouve qu'ils sont bien habillés, moi. Ça, c'est pas mal, hein. Chacun a sa petite personnalité. Je sais pas quoi prendre, moi. Tu sais pas quoi prendre. Si, après, tu prends un truc qui te plaît, tu vois. C'est voilà, t'es pas quelque chose que t'as envie, qui te correspond. C'est ça, après. Est-ce que tu vois un truc qui te plante tout le visage? Est-ce que tu veux une bandana? Ah, d'accord. C'est une blague! Fume-le! Allez, chope-le ce bâtard!
Bonne demande. Elle tout va bien. Oh putain de merde. Putain de merde. J'en ai mal, j'en ai mal. Pourquoi, pourquoi toujours là? Toujours là. Bordel. Le PNJ, je suppose qu'il faisait là le PNJ. Je pense que le PNJ s'est perdu. Hein. Putain. Putain. Je crois qu'il va l'encourir. Je l'espère bien, oui. Si, si, regarde, regarde, il va l'attraper là. Il est juste à côté. Si, c'est bon, il le voit. Je vois rien. Oh, merde. C'est stylé ça. C'est stylé quand même. C'est bon, tu l'as trouvé ton bonheur. Ouais. Pas trop bien alors. Merde. Ah non, c'est déclasé avec, avec des copains de personne. Hein? Ça, en fait, ça nous a bousculé. Si, si. Bah, non, il est parti régler le problème. Là. Il croit qu'il arrive. C'est pour régler le problème, je crois. Je pense que. C'est bon, voilà. Je pense qu'elle a compris, non? C'est bon, c'est bon, c'est bon, Enrique. Calme-toi. Merde. Tu vas le tuer. Arrête, tu vas le tuer, bordel. Calme-toi. Ah, ok, il a insulté la Madeleine en 40 kilos. Casse-le là. Et bordel de merde. Qui se sont gardés là pour éviter de l'écraser? On fait putain, madame. Si, je te comprends. Alors tu l'as niqué celui qui nous... Alors l'autre là, il a mangé le bitume. Il est encrusté dans le bitume. Mettons ça plein fou, c'est ça. Est-elle bonne pour tout le monde? Seulement il y avait les couteaux de papa. Il est parce que je l'ai ouvert dès la tête. Oh ma mia. Oh la chica, comment est-ce que c'est? Si, tranquillo. Et tout. Maman, regarde ce coup, Diego. Ça c'est, je le marquais, je le marquais. J'ai mis très bien quelque chose qu'un barré, le moteur de l'idée. Ah ouais, alors il est incroyable. Pour rentrer à la casa? Si, il rentre à la casa, mais il va aller travailler un peu court. D'accord. Et d'ailleurs, toi, tu es la chauffeur tout à l'heure, être ça? Ça, c'est l'hôtel très bien. Si, être bonne voiture? Oh, oui. Et pas l'autre nous fait passer, merde. Je sais pas! Pourtant, il est malade, lui. Encore, tu vois, les routes 4x4, ça va les couilles, mais bon, lui, il a pas de grosses espaces. C'est vrai. Tranquille par là, parce qu'il y a plein de radars. D'ailleurs, il y en a vu un en face là-bas. Tu vois sur le pont à gauche. À gauche du pont, il y a un radar en dessous. D'accord, ok, d'accord. Et lui, il te plante tout le carrefour. Hein. De n'importe quel côté que tu passes, il te flush ce connard.
bordel. T'es la seule à gauche. Mais elle, elle est plus là. C'est plus. Tous les télésages, regarde, qu'est-ce qui se passe? T'es la malade, t'as la plein coup de feu? Non! T'es là, j'ai cru. Par contre, arrête de. Tu sais, mes oreilles, je t'ai dit, voilà. C'est pour ça que tu le vois comme ça. Ah, voilà. Bordel, là, j'ai plus envie de t'égorger qu'autre chose. Comment ça, tu veux m'égorger? Quand tu parles comme ça, j'ai envie de t'égorger. J'ai l'impression que tu fais comme les autres sur YouTube, là. Le truc qui s'appelle la ASMR, la truc bidule. Tu aimes l'ASMR? Il n'y a qu'une envie, c'est prendre un pistolet et te le mettre dans la tête. Je vais te le mettre dans ton cul, le pistolet. Bah non, parce que moi, je ne fais pas de l'ASMR. Je parle comme ça pour y aller, pour pas que ce soit trop fort. Oh, ça me fait des frissons. Il y a des voitures jaunes. Ça se fait ou quoi? Shit. Stop. Ah si, ça y est. Ça se fait, stop. Qu'est-ce qui passe? Au moins, ça va me perturber tout ça. Après, tu fais ce que tu veux, dis donc. Tout est faible d'esprit, dis donc. Je ne suis pas faible d'esprit. Il n'est pas très ouvert. C'est tout ta gueule. Ah, attendez que tu répondes, Yabou. Ah, si, moi, en Colombie, il y a rencontré des panthères. Je t'assure que. Incroyable. Ça crie bien en plus. C'est abusé. T'es vraiment un con, toi. Et tu es pas mon frère pour rien. Oh bordel. J'ai envie de tester les pare-chocs. Mais le pauvre reste sur sa moto. Non. Il me dit qu'en vrai ça peut être une torture. Là t'arrives petit à petit, t'avances. Puis t'avances. Puis t'avances, le mec il est contre le mur. Si, ça pourrait le faire. Ça serait mieux de l'autre côté, tu vois, tu raccroches par exemple au mur, oui. Tu prends une corde, tu tires, oh là 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 là. Et au bout d'un moment, tu la lâches en deux, le pauvre. Ouais, et après tu dis, allez, coupe la corde, et le mec il s'écrase, c'est comme une mire. Ou alors tu l'accroches à un avion. Et ça va se préférer. Et tu le décolles, avec lui à la corde, il pense qu'il tient pas 10 secondes. Et par contre, faut faire attention de ne pas être suivi quand on arrive ici. C'est... Putain, Rosé, qu'est-ce que c'est fait cool de merde? Que tu prennes des supercars. Attends, il bouille pas. C'est pas le Rosé, c'est la femme à Rosé. Ah, ça, c'est la voiture de la mujer de Rosé. Tu vois, si Rosé me ramène des véhicules comme ce qui est derrière, y'a pas de problème. Par contre, il me ramène ça. Non. D'accord. Il voulait s'amuser. D'accord, il comprend. Vous allez faire quoi là, vous deux? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait se pencher sur les papiers, quoi. C'est t'as un pantalon. Un petit peu pour le projet, tout ça. Ouais, t'as pas talent, on va se poser sur les papiers. Pour les projets de l'accord de l'entreprise. C'est. Demain, on va essayer. C'est pas gagné. Je vous laisse faire. Vous, il faut essayer de me trouver l'argent que ça coûte. Et après, moi, je me débrouillerai pour. L'argent que ça coûte, en fait, il faut le voir, faire la paperasse, envoyer au gouvernement et après voilà. Ah, d'accord, c'est vrai. Pourquoi j'entends pas les voitures? Vous laissez faire. Ok, d'accord. Ça va, il s'amuse bien, Gugu. Hein ça, c'est bon, il s'amuse très bien, je crois. Hein. Après, ça glisse beaucoup, c'est des coups. C'est le mode de bien. Moi, je te dis, de call. On va dans le bureau pour faire les papiers. Tu veux, bah si on va dans le bureau, je t'assure, Non, passe par là, s'il vous plaît. Il est où ce putain de bleu, là? Ah, je me doutais que tu allais prendre cette place-là. Merde.
putain, ah, mon entreprise. Oui. Mon entreprise a plus d'argent pour me payer, c'est une blague ça. Ah bon? Pourquoi j'ai pas de chance, moi? Bon. Bon, du coup, on va faire ça, du coup, d'accord? Oh, hein? Ouais. On fait ça. Ça marche. Bon, les gars, voilà, on va se quitter là-dessus. Parce qu'on va bosser sur, bah, sur le dossier pour le Galaxy, quoi. Faut faire un dossier, le donner au staff, tout ce genre de choses-là. Donc, c'est pas une mince affaire. Je sais même pas si j'ai un dossier de ce type-là. Faut que je regarde. Parce que j'ai tellement de dossiers, tellement de fait de choses dans le RP que. Faut que je trouve. Et je pense que je dois en avoir un exemplaire. Hein. Donc, voli-volou. Donc, on se donne rendez-vous, les gars. Ah, pas demain, les gars. Ouais, demain soir, je ne serai pas là. Demain soir, je ne serai pas là. Pour la simple bonne raison que je vais aux 18 ans de ma nièce et j'ai promis que je serai là. Donc, je vais tenir ma promesse. Du coup, bah, on se donne rendez-vous dimanche soir, les gars. Donc, demain soir, je ne serai pas là. Et si vous voulez suivre les aventures bah, du cartel et des bêtises, que ce soit de Yaya par exemple, ou d'autres personnes, bah, je pense que peut-être que demain soir, je sais pas, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui lancera un live ou quoi, vous verrez bien. En tous les cas, on se donne rendez-vous à dimanche. Je vous souhaite une agréable soirée à tous. Et merci pour les subs, pour les beats, pour les personnes qui étaient là, pour les flows aussi qui y a eu également. Ça fait énormément plaisir, les gars. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Ciao, ciao. On va se quitter en musique. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme musique? Il faut que je trouve une musique qui soit. On va mettre celle-ci. Faut que j'en télécharge les autres parce que c'est les deux mêmes que j'ai. Ça va pas trop, en fait. Voilà, allez. Ciao, ciao. Bye bye. Des bisous à tous.